jamais de fumée sans feu. C'est nous en folie. On a rien, mais on a 15 enfants. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si c'est un concours. Tellement c'est compliqué, chacun a trois jugements. Interrompre la musique. Ce soir, nous allons parler de Soro Guillaume, pourquoi Alassane Ouattara doit l'arrêter et le foutre en tôle. C'est très important. Avant qu'il ne soit trop tard, parce que moi, je préviens, ils vont ignorer le petit Tieni Banani de faire que c'est du coup, et d'ici, ils vont s'en rendre compte trop tard. C'est eux qui vont subir les conséquences de la fureur de Guillaume Soro. Alors, nous allons parler de ça et on va parler de l'indépendance. C'est quoi l'indépendance? Qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'Africains crient, on veut être indépendant. On n'est pas encore indépendant. On veut être indépendant. On n'est pas encore indépendant. Vous voulez être indépendant sur quel plan? Non, on veut notre monnaie. On veut plus voir les blancs. On veut être indépendant. Mais
Il ne suffit pas de dire être indépendant, indépendant, obtenir l'indépendance. Dans la bouche, on obtient l'indépendance par les actes. Et les actes, ce n'est pas en marchant dans les rues. Allons, parlons de l'indépendance d'abord, avant de parler de Guillaume Soro. C'est très important parce que j'aimerais ici m'adresser à tous les panafricains qui sont souvent sur les télés de, sur les plateaux de télé plutôt, qui ne font que vociférer, crier dans tous les sens. En criant l'indépendance, on ne veut plus voir les blancs et tout. Ils sont devenus des spécialistes de l'indépendance africaine. Mais en réalité, eux-mêmes qui parlent d'indépendance, eux-mêmes qui demandent aux dirigeants d'être indépendants, de chasser les blancs, eux-mêmes tu leur demandes de fabriquer une petite aiguille, ils sont nuls, ils seront incapables de te produire ou bien de te fabriquer une petite aiguille. Tu leur demandes même comment on grille une galette, ils sont incapables de te griller une galette. Mais ce sont ceux-là qui sont sur les plateaux de télé pour crier à longueur de journée indépendance, indépendance africaine, indépendance africaine. C'est quoi une indépendance? Parce que aujourd'hui en Afrique, des jeunes mal informés, des jeunes qui sont ignorants, des jeunes qui ne connaissent pas le monde, des jeunes qui sont poussés par l'émotion, poussent les enfants des autres à aller se faire assassiner au nom de quoi? Au nom de l'indépendance. Mais on n'obtient pas l'indépendance dans les rues en se faisant assassiner. Il y a deux cas. On peut prendre les rues lorsque une force extérieure vous attaque et vous massacre. Là, vous avez le courage de prendre les rues et de vous défendre contre les envahisseurs. Mais au moment où il n'y a pas une force extérieure qui est armée jusqu'aux dents pour descendre dans votre pays, sur votre territoire, pour massacrer les filles et fils de ce territoire, vous n'avez pas le droit de sortir pour faire des protestations et essayer de vouloir chasser d'autres par la force en prenant des armes ou bien en manifestant pour se faire tuer. Vous comprenez? Donc, on n'obtient pas l'indépendance pour, en manifestant. Non, 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 non. On peut manifester lorsque des gens quittent ailleurs et ils tissent sur vous. Et tout ça, vous pouvez manifester pour dire non, on ne veut pas de quitter notre pays, quitter notre pays. Mais quand vous voulez l'indépendance, ce n'est pas dans la violence. L'indépendance s'obtient par l'intellectualisme. L'indépendance s'obtient par le savoir, la connaissance et les actes. Alors, comment obtenir l'indépendance? En Afrique, les présidents Badakani, les Kémi Séba, tout ça là, je dis ceux-là, ils sont là. Embobiner le peuple noir. Eux-mêmes là, demander à Kémi Séba, lui, il sait fabriquer quoi? Une aiguille même, il est incapable de fabriquer. Président Badakani, demandez à ce dernier de vous faire, de vous démontrer comment, il ne serait-ce que oralement, démontrer comment on grille, comment on peut obtenir une galette. Quel mélange on peut faire pour obtenir une galette? Il est incapable de vous démontrer ça. Oralement parlant. Parce qu'il est nul, il ne connaît rien. Il est simple professeur. Mais un professeur qui est capable de réaliser ce qu'il de faire la pratique, ce qu'il fait par la théorie. C'est-à-dire, ils sont forts théoriquement parlant, ils sont forts sur le tableau, oui, ils démontrent. Mais quand tu leur demandes de démontrer pratiquement parlant ce qu'ils démontrent théoriquement parlant, ils sont incapables parce qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous comprenez? On peut être indépendant lorsque on a fini de former des jeunes sur tous les plans. On peut être indépendant lorsque on sait que la jeunesse est bien formée, elle est prête dans tous les domaines. Cette jeunesse, tu peux compter sur elle pour pouvoir te fabriquer du médicament. Vous comprenez? Lorsque tu as une industrie pharmaceutique chez toi à domicile, mais est-ce que tu vas obtenir ça par le sort? Non! Tu ne vas pas obtenir une industrie pharmaceutique par le sang. Tu finances. Mais pour financer et obtenir cette industrie pharmaceutique, c'est en encourageant l'éducation et en mettant un bon système sophistiqué scolaire sur pied. Mais si ce système scolaire est sur pied et éduque bien les enfants du pays, mais ces enfants du pays qui vont sortir de ces écoles seront capables de créer une industrie pharmaceutique dans ton pays. Alors, est-ce que dans ça, là, ton peuple allait en guerre pour obtenir cette connaissance? Non. C'est en douceur, c'est avec la paix, tu vas obtenir cette connaissance.
Et une fois que cette connaissance est obtenue, mais vous allez fabriquer les comprimés. Est-ce que dans ça, les gens sont sortis dans la rue pour se faire buter? Non, personne ne va mourir. Au contraire, tout le monde sera heureux. Parce que dans la paix, dans le calme, il aura une grande industrie de haute qualité que les autochtones vont produire dans leur pays. Alors, tu ne peux plus aller acheter du comprimé chez le blanc. Là, tu viens de marquer un premier but. Tu viens de devenir indépendant sur le plan médical. Sur le plan pharmaceutique plutôt. Tu viens de devenir indépendant sans même verser une goutte d'eau, tu vois, une goutte de sang. Tu peux aussi devenir indépendant militairement parlant, en créant une science militaire dans ton pays. Parce qu'on crie, pourquoi il y a des bases militaires étrangères chez nous? Mais oui, il y a des bases militaires étrangères chez nous parce que nous n'avons pas la science militaire dans nos écoles. Qui enseigne la science militaire? Vous pensez qu'on se lève un bon matin pour devenir un grand militaire, un grand stratège? Non! Il y a la science militaire que les gens ils apprennent à l'école. L'école de guerre. Mais ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Donc on est obligé d'aller chercher les blancs pour nous enseigner comment on mène la guerre, comment on doit aller sur le champ de bataille au cas où c'est chaud. Donc ce sont les blancs qui viennent nous enseigner. Mais au lieu d'aller chercher toujours les blancs, il faut créer des écoles. Il faut éduquer les gens et leur enseigner cette science militaire. Il faudrait que cette science militaire soit développée. Alors c'est dans la science militaire que les militaires ils quittent. Et donc ces militaires, ce sont eux qui seront capables de produire les armes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les occidentaux, ils font. Ce sont les militaires qui créent les armes. Ce n'est pas la société civile, non, 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 ce sont les militaires. Parce que cette science militaire enseigne la technique de guerre et en même temps la production des armes aux militaires. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire on enseigne ça? Et puis on dit, on veut être indépendant militaire. Mais tu ne peux pas. Est-ce que dans ton école où tu pars, tu dis non, je suis dans une école militaire, on t'enseigne comment tu dois fabriquer une Kalachnikov, un pistolet? Non. On t'enseigne comment tu dois fabriquer un obus? Non. Est-ce qu'on t'enseigne comment tu dois fabriquer même la bombe lacrymogène? Non. Et donc, tu ne connais rien. Tu auras toujours besoin des blancs. Or, quand on dit la science militaire, c'est là-bas. On enseigne tout. Tout sort d'armement. Comment produire, comment fabriquer des armes. Comment faire la guerre. Un plan, comment lire un plan. Et tout ça. Mais c'est là-bas qu'on enseigne. Donc, il faudrait que on est cette école en Côte d'Ivoire. Si nous-mêmes, Ivoiriens, on dépense et on met assez d'argent dans le secteur éducatif et qu'on est capable de produire ces gens d'école, vous allez voir. Les élèves qui vont sortir dans les écoles militaires, eux-mêmes, ils vont faire des inventions. Ils vont faire des inventions, ils vont créer des choses pour renforcer leurs armées. Et quand c'est comme ça, on n'aura plus besoin des blancs. Donc, à quoi bon de voir encore une base militaire étrangère sur notre territoire? Donc, dans ce secteur militaire, on devient indépendant sans verser une goutte de sang. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les Kémis Seba, ils vous enseignent ça? Est-ce que quand ils côtoient la population africaine, est-ce qu'ils disent ça au peuple africain? Ils ne disent pas ça. Est-ce que les présidents Barakane, ils disent ça aux Africains? Ils ne disent pas ça. Ils cachent les réalités et ils disent non, il faut la monnaie, il faut la monnaie. Mais vous pensez que la monnaie quitte en haut pour tomber? Est-ce qu'ils ont formé des cadres? Ils ont formé des jeunes qui seront à mesure de battre monnaie en Côte d'Ivoire ou bien partout en Afrique. Ils n'ont même pas encore formé des gens. Ils sont incapables. Et ils crient, on fait notre indépendant monétaire. On ne veut plus de la France. Quittez, quittez. Mais quand la France part, quand il y a des terroristes, on ne peut même pas encore les combattre. Parce qu'on est nul militairement parlant. On est obligé de demander l'aide des Occidentaux. Voilà le cas du Mali. Quand le nord du Mali avait été envahi, aucun pays africain n'a voulu s'aventurer là-bas. Ils étaient obligés d'appeler l'aide de Macron. Je dis Macron. François Hollande. Ou bien Nicolas Sarkozy plutôt. Viens, viens nous aider. Ils étaient obligés de venir intervenir au Mali. Ils interviennent, ils mettent leur base en cri. Partez, partez. Mais vous foutez de leur gueule. Hein? Eux, ils viennent, ils versent leur sang. Et vous demandez leur départ facilement comme ça. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous vous trouvez où? Vous pensez que vous êtes sur une autre planète? Quelqu'un, il vient, il lutte pour toi, il veut son sang et tu ne veux pas qu'il profite de ta richesse, mais il va profiter de ça. Si tu ne veux pas qu'il profite encore de ta richesse, m'enseigne tes enfants, ton peuple. Il faut décaisser à beaucoup d'argent pour former ton peuple.
Comme ça, là, ton peuple va connaître le domaine militaire et sera capable de produire des armes pour pouvoir renforcer son armée. Ils n'enseignent pas ça aux gens. Ils ne font que faire des meetings partout en Afrique et vous pensez que ce sont ces meetings qui vont sauver l'Afrique? Non. Pendant combien de siècles, les Africains, ils sont dans ces bêtises de meetings? Est-ce que ça produit quelque chose? Est-ce que ça donne un résultat? Non. Parce que ce n'est pas la véritable lutte. Ce n'est pas la vraie lutte qu'ils sont en train de faire. Ils sont là, berner les gens. Et ils sont là, inculquer l'ignorance de jour en jour dans les têtes des Africains. Voilà pourquoi ces gens-là, je ne les ai jamais aimés. Et quand je les regarde, je dis, mais ceux-là, ils sont un danger même pour les Africains. Parce qu'ils enseignent rien aux Africains. Ils enseignent rien en réalité aux Africains. Est-ce que vous comprenez? Pour mener une bonne lutte, il faut côtoyer les présidents pour leur demander de viser certains secteurs pour investir là-dedans, pour le bien-être du peuple. Il ne s'agit pas de crier dans les oreilles du peuple et laisser les dirigeants leur déclarer la guerre. C'est à eux, il faut s'approcher d'eux pour pouvoir les convaincre, pour dire, ah, monsieur le président, j'aimerais que vous fassiez comme ça, je suis un panafricain et j'aimerais que l'Afrique change. Mais pour que ça change, il ne s'agit pas de déclarer la guerre aux Occidentaux, aux Américains, aux Russes, aux Chinois, mais il s'agit d'investir dans tel secteur, parce que pourquoi? Et il va vous demander, pourquoi voulez-vous qu'on investisse dans tel secteur? À tel secteur, voilà, à long terme, voilà ce que ça peut produire. Ça peut nous faire sortir des cadres qui vont faire ce domaine. Et si le président est convaincu, il va dire oui, vraiment. Mais et il va, ces présidents, ils vont vous dire, mais les Blancs ne nous laissent pas travailler. Ils vont dire, mais on peut financer des choses de façon fictive sans que les Blancs ne contrôlent tout. Donc, essayons quand même. Et vous allez voir, les choses vont évoluer, mais ils ne font pas ça. Ils crient partout et peu, ils enseignent rien aux Africains. Et les Africains, ils sont animés par les émotions. Ils aiment les gens qui crient dans leurs oreilles. Quand ils crient, oh, ils sont contents. Et ils pensent que c'est une lutte qu'ils mènent. Et ils gagnent l'argent sur le dos de ce peuple ignorant. Et c'est malheureux. Mais on va encore développer certains secteurs. Il faut aussi former des médecins. Est-ce qu'en Afrique, on a des bons médecins? Il n'y en a pas. Tu as un vrai problème, ils vont tout de suite te conseiller de t'amener en Europe. Et tu veux être indépendant? Tu n'as même pas de médecin, tu n'es pas capable de créer des bons médecins. Investir dans l'éducation pour avoir les bons médecins. Et quand tu es malade, non, SOS, SOS, toujours en Europe. Et tu veux être indépendant. Est-ce que c'est les Européens qui t'ont conseillé? Ce sont les Européens qui nous ont dit, il ne faut pas, on va créer des bons médecins. Est-ce que les Européens nous empêchent de créer des bons médecins? Non! Il ne nous empêche pas, mais c'est nous-mêmes qui refusons de créer des bons médecins. Parce que notre système éducatif n'est pas performant. On peut aussi le modérer, on peut le changer, on peut modifier certaines choses. À qui s'y va à l'école là? Est-ce que c'est François Hollande qui a demandé au gouvernement ivoirien de mettre dans le livre de lecture à qui s'y va à l'école? Mariam prépare le riz, ou bien le kabato. C'est Macron qui a dit, non, quand même, Mariam prépare le kabato. C'est nous-mêmes qui réfléchissons, qui mettons ces genres de choses. Et ce que nous mettons là-bas, c'est ce que les élèves vont apprendre. Ah, mais c'est clair. Les bases mathématiques sont les mêmes. Tu viens en Europe, mais propriétaire de Thalès, c'est même propriété. Propriétaire de Pythagore, les algèbres, c'est même chose. Les pyramides, c'est même chose. Donc, il n'y a rien qui change. Si tu veux réellement aller en profondeur, là, tu peux encore creuser d'autres sciences, d'autres propriétés. Mais il y a d'autres propriétés qu'on ne nous enseigne pas en Côte d'Ivoire. La chimie, ce sont les mêmes atomes. Mais si nous voulons améliorer notre système éducatif, on peut creuser pour voir, pour découvrir encore d'autres atomes que nous n'étudions pas en Côte d'Ivoire, qui peuvent nous permettre d'aller scientifiquement parlant au loin et en profondeur, permettre à nos médecins de découvrir certaines choses et mettre les matériels à leur disposition pour pouvoir faire des expériences. Il ne s'agit pas d'avoir une longue craie dans la main pour faire la démonstration. Pa, 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 pa. La craie se casse et puis il est pressé. Est-ce que vous voyez? Mais il ne s'agit pas de ça. Après avoir fini de mettre pour des craies dans les yeux des élèves, monsieur, est-ce que tu as mesure de faire la démonstration par une pratique propre et simple aux élèves en leur montrant ce que tu as démontré au tableau? Ils ne seront pas capables de le faire parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas reçu la formation dans ce domaine. Donc, tu ne peux pas dire, tu apprends la théorie aux gens, ils n'ont jamais fait de pratique.
Le jour où tu mets la pratique devant eux, mais ils tremblent parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. C'est comme quelqu'un, tu lui montres le karaté à la télé. Tu dis karaté, il faut faire comme ça, frappe l'adversaire comme ça, frappe. Mais tu vas bon lui montrer. Et il ne s'est jamais battu. Le jour où tu prends un vrai adversaire, tu mets ce vrai adversaire devant lui, tu dis il faut le frapper. Tout ce que je t'ai montré à l'écran, là, il faut pratiquer. Mais il va avoir peur, il va le tabasser même devant toi. Parce que tout ce que tu lui as montré, il va oublier. Quand il va voir l'adversaire, il sera paniqué. Parce qu'il n'a jamais appliqué la pratique. Et donc, il va avoir peur automatiquement. Il va se laisser malmener par son adversaire qui, lui, il n'a rien pris. Il n'a rien appris. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai problème. Donc, l'indépendance aussi, c'est aussi monétaire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fabriquer, il faut créer des vrais comptables en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a des vrais comptables? Les comptables qui sont en Côte d'Ivoire seuls, est-ce que tu peux leur demander de créer une monnaie? Ils sont à mesure de créer une monnaie? Mais non, ils ne peuvent même pas. Il faut créer non seulement des scientifiques qui seront à mesure de créer des machines. Et ces machines qui seront à mesure de battre monnaie. Est-ce qu'on a ces machines pour battre monnaie? On n'en a pas. Tu peux avoir tous les comptables du monde, mais tu n'as pas une machine qui peut produire la monnaie. Et tu dis, je veux une indépendance monétaire. Mais qui va te donner ces machines-là? Tu vas encore toujours te retourner chez les Occidentaux. Alors, si tu te retournes chez eux et que tu dis, j'ai besoin de payer une machine, c'est que tu n'es pas indépendant. Alors, mon frère, il sera mieux de ne pas demander l'indépendance en même temps. Parce que l'indépendance, ce n'est pas la bouche, ce sont les actes. Ce n'est pas la bouche, ce sont les actes. C'est-à-dire, si, c'est comme si tu vis avec une femme. Tu es avec elle, vous vivez dans une maison, tu ne travailles pas. Tu n'as rien dans tes poches. Elle travaille, elle a un bon salaire. C'est elle qui te nourrit et tu dis, je veux être autoritaire dans cette maison. Tu te prends pour qui? Mais c'est elle qui va te commander. Elle dit, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Est-ce que tu vas l'obliger à te donner son argent? Elle dit, ce soir-là, tu es puni. Je ne vais pas te donner de quoi manger. Ou bien ce soir, on ne prépare rien. C'est elle qui paye, elle travaille. Toi, tu ne fous rien. Tu ne fous rien, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, pardon, pardon. Oui, tu vas demander pardon, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas montrer, non, parce que tu ne fous rien. C'est elle qui te donne tout. Toi, tu as quoi? C'est elle qui, tu dépends d'elle. Donc, quand tu deviens dépendant de cette femme, c'est ça, notre cas en Afrique. Tout ce dont on a besoin, on est obligé d'aller chez les Blancs pour obtenir ça. Et on dit, on veut être indépendant. Mais si les Blancs, ils nous coupent tout ça, c'est la mort. On dit, non, nos matières premières. Toi, si on te demande de transformer le cacao en chocolat, tu peux? Est-ce que tu peux transformer le cacao en chocolat? Tu ne sais même pas comment on transforme le cacao en chocolat. Je vais être indépendant. Bon, les Blancs, ils décident de ne plus payer tout le cacao que la Côte d'Ivoire produit. Qui va payer ça? Tu es paysan, tu achètes du cacao. Mais mon frère, tu ne vas rien vendre. Tu as mangé ton cacao au village. Tu as cacao et puis tu es pauvre. Parce qu'un Blanc ne peut pas acheter ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les matériels qu'on prend pour transformer le cacao, pour pouvoir vendre le chocolat partout. Donc, si les Blancs décident de ne plus acheter le cacao ivoirien dans le monde, mais africain, il va faire quoi son cacao? Parce qu'il est incompétent lui-même de transformer le cacao. Il va regarder le cacao, il va dire, hey, pardonnez, demandez pardon aux Blancs. Quand tu dis ça, déjà, c'est que tu n'es pas indépendant. Tu es dépendant des Blancs. C'est eux qui décident. Et on ne veut pas qu'ils décident de notre cacao. Mais si on ne veut pas mettre, soyons à mesure de transformer ce cacao. Mais pour transformer ça, il faut créer des cadres, des jeunes capables de créer la technologie pour pouvoir créer des machines et exploiter ce potentiel. Tu dis non, les Blancs, ils prennent notre pétrole. Ils prennent notre pétrole. Mais Blanc, ils prennent ton pétrole. Toi, pétrole qui est dans la mer, est-ce que tu savais même qu'il y avait pétrole dans la mer? Quand toi, tu t'en vas à la plage, là, tu nages là, est-ce que tu vois pétrole? C'est pas la mer, tu vois? Est-ce que tu sais qu'il y a pétrole là-bas? Tu t'en vas à la plage, tu nages avec ta copine, tu sais même pas qu'il y a pétrole dans la mer. Parce que tu n'as même pas les appareils. C'est le Blanc encore là, lui que tu n'aimes pas, lui que tu détestes là. C'est lui, pardon, viens voir ma mère là, est-ce qu'il y a pétrole là-bas? Et c'est lui qui prend des appareils, parce que lui il est éduqué, il a des scientifiques qui ont créé des appareils pour détecter le pétrole. Quel que soit si ça est à 1000 pieds ou bien à 1 milliard de profondeur au sein de la mer, il va détecter ce pétrole là-bas. Et c'est lui qui vient fouiller ta mère et il te dit, oui, il y a pétrole aussi. Il va même en passer sur ton sous-sol. Toi-même, tu es ignorant. Il y a diamant, hein? Dans ton sous-sol, tu ne sais même pas qu'il y a diamant. C'est encore le même Blanc là
il vient avec des appareils parce qu'il a créé des appareils qui sont capables de détecter le diamant. C'est lui qui détecte le diamant. Il dit oui, là c'est riche, il y a assez de diamants. Et il va te donner combien de carats, je ne sais pas, de diamants qui se trouvent là. Et par rapport à ça, il n'a même pas encore vu le diamant, mais son appareil lui signale combien de diamants il y a dans cet endroit. Et tu signes un contrat avec lui. Il dit, bon, comme le diamant est tel, nombre de diamants, on signe un contrat. Et on signe. Parce qu'un Africain, il est capable de détecter les richesses qui se trouvent sur son territoire. Et il dit, je veux être indépendant. Tu veux être indépendant comment? Bon, le blanc, il décide de ne plus payer l'or. Tu apparais pour creuser l'or là. Si tu crées, et c'est même, tu sais même comment on transforme l'or pour faire chaîne. Tu sais même pas. Tu vois l'or là, tu vas voir caillou. Tu dis, ah, caillou là, comment on fait pour que ça devienne chaîne? Mais tu n'as même pas les appareils pour créer cette chaîne. Tu vas dire, ça c'est caillou. C'est blanc là. Ils font comment pour fondre ces cailloux là pour fabriquer chaîne? Parce que tu es ignorant. Tu n'as pas la technologie, le cerveau, ce n'est pas là. Parce que tu n'as pas appris. Tu n'as pas été éduqué. Donc tu n'es pas indépendant. Donc pour être indépendant, c'est dans ces secteurs, dans tous ces secteurs-là. Il faut être indépendant là-bas pour proclamer maintenant une véritable indépendance. Parce que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes toujours dépendants. Donc pour que les Africains soient réellement indépendants, il leur faut au moins 100 ans, un siècle. S'ils commencent maintenant, dans un siècle, nous allons être peut-être mini-indépendants. Je dis bien mini-indépendants parce que on ne peut pas obtenir toute l'indépendance. Il y aura d'autres secteurs qui vont nous échapper et il y aura d'autres secteurs dans lesquels nous serons indépendants. Donc, voici la véritable indépendance. Donc, ceux qui sont là pour crier sur les réseaux sociaux, qui côtoient le peuple, révolution, révolution, non, ce n'est pas ça la vraie révolution. La vraie révolution, c'est d'encourager le peuple de créer la technologie. Quand tu pars vers le peuple et tu encourages ce peuple de dire d'aller à l'école, apprenez, allez-y, oui, creusez les sciences, oui, découvrez ce que c'est que les sciences, allez-y en profondeur, créez, inventez. C'est que tu es en train de dire à ton peuple de se révolter. Parce que c'est ça la vraie révolution. La vraie révolution, c'est pas en s'adressant aux blancs, c'est en mettant ta colère sur la créativité. Tu es là te révolter, tu es là faire. Créer quelque chose au sein de ton pays. Et cette chose que tu vas créer, ça va apporter beaucoup de choses aux gens. Ce n'est pas en criant dans les oreilles des gens, on ne veut plus les blancs. Non, ce n'est pas ça la révolution. Vous voyez les Guinéens. Guinée qu'on a crié. Révolution, révolution. Voilà où ils sont. Tu amènes 100 000 francs là-bas, tu es obligé de prendre deux bourrettes. Tu prends deux bourrettes, l'argent là. Tu dois mettre ça dans deux bourrettes pour pousser. Ou bien, sac de cacao là, c'est comme ça tu mets. Tellement ça pèse. Leur monnaie ne vaut rien. C'est nul. Et ils ne peuvent rien créer. Vous partez en Guinée là. Les voies qui ont été bitumées, ça fait au moins 300 km de voies bitumées qu'ils ont sur leur territoire. Est-ce que ce n'est pas une honte ça? Mais le peuple n'était pas prêt. En chasse, ils ont tout chassé, ils ont tout chassé. Et maintenant on dit bon, créer, ils ne peuvent même plus créer. Ils sont nuls. Donc, il ne s'agit pas de dire on veut être indépendant et on est nul sur tous les plans. L'indépendance, c'est la connaissance. Tu as la connaissance, tu es indépendant, mon frère. Donc, je pense que j'en ai fini avec mon côté indépendant. Indépendance. Nous allons maintenant parler de Soro Guillaume. Donc, tous ceux qui ont écouté cette vidéo, si vous quittez ici, lui qui parle encore d'indépendance, là, dites-lui ça. Dites-lui, il sait fabriquer quoi d'abord, avant de parler d'indépendance. S'il ne sait rien fabriquer, dites-lui de fermer sa bouche. Donc, parlons maintenant de Soro Guillaume. On a laissé l'indépendance, on parle maintenant de Soro Guillaume. Voilà Soro Guillaume à Apusiata Bamba, qui est la porte-parole du clan Soro, et qui était l'ancien porte-parole du gouvernement de son excellence, M. Alassane Ouattara, qui ne l'est plus parce qu'elle a été radiée. Voilà, parce qu'elle ne se comporte pas bien. C'est une petite rebelle. Alors, cette dame hier a fait une déclaration. Je ne suis plus obligé. Je ne suis pas obligé de vous montrer encore la vidéo, puisque tout le monde a déjà connaissance de cette vidéo. Donc, il ne s'agit plus de ramener encore, remettre encore cette vidéo. C'est une perte de temps. Donc, nous allons parler. Mais ceux qui connaissent ce dossier, ils savent de quoi je parle.
Et vous pouvez aussi, ceux qui ne savent pas, ils peuvent se renseigner. Afousiata Baba fait une déclaration. Voilà. Et vous allez voir sa vidéo sur YouTube, Facebook, Google. Vous allez voir ça. Alors, cette dame, elle est venue ouvertement dire et annoncer la candidature future du NER de faire que c'est du coup. Entre parenthèses, Guillaume Soro, Tieni Banani, hein, du nord de la Côte d'Ivoire. Ah! Tieni Banani veut être président. Ce monsieur, ce petit monsieur qui est rond, ce petit ballon veut être candidat. Mais si il gagne et qu'il devient président, on est mort. Ce monsieur est un dictateur. Il n'acceptera jamais un opposant. Une fois au pouvoir, vous l'avez vu, lorsqu'il y avait la crise au poste électoral, Soro automatiquement avait considéré Ibrahim. Hein? Ibrahim comme l'un de ses opposants. Alors, Soro a demandé automatiquement à ses rebelles de neutraliser Ibrahim parce que lui ne voulait pas quelqu'un qui allait s'opposer à lui. Et il est comme ça. C'est-à-dire, il voyait Ibe comme un opposant à Soro. Parce qu'au moment où lui, Soro Guillaume, il prenait les décisions, Ibe n'obéissait pas aux décisions prises par Soro Guillaume. Soro Guillaume voyait déjà la menace venue, hein, venant de la part d'Ibe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, neutralisez-moi ce mec. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Soro Guillaume, c'est moi qui commande. Je suis le ministre de la Défense. Alors, je commande. C'est moi qui dicte les règles. Quiconque n'obéit pas à mes ordres sera maté, détruit, enterré, égorgé ou bien jeté. Et ce royaume, il était dans une telle logique, même dans sa conversation. Lui, entre lui et Bassolé, il dit si Ibe ne mourait pas, et le ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense, le défunt ne mourait pas, c'est-à-dire lui qui s'est fait assassiner par les rebelles de ce royaume, au sein de la région de Babo, alors, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, il dit, lui, Soro, il n'allait pas être tranquille dans ce pays. Et il a même demandé à Djibril Bassolé qu'il y a deux, comme ça au Burkina, il n'a qu'à les neutraliser. Parce que tant que ces deux seront au Burkina, le Burkina n'aura jamais la paix. Ils n'ont qu'à les neutraliser. Et c'est lui qui donnait des ordres depuis la Côte d'Ivoire. Donc, Soro Guillaume est un danger. Soro Guillaume est quelqu'un qui est dangereux. Vous ne pouvez pas plaisanter ce monsieur. Vous ne pouvez pas oublier l'histoire qui s'est passée hier. L'histoire est récente. On ne peut pas dire, bon, c'était en 1900 ou bien dans les années 1800. Même l'histoire qui s'est passée pendant la traite négrière, les Noirs n'ont pas encore oublié la guerre, la première guerre, la deuxième guerre, l'esclavage. Tout le monde n'a pas encore oublié. Et vous voulez oublier cette histoire qui est récente encore. Là, on est encore dans même 2000. Vous voulez oublier, on n'est pas en 3000 ans. Nous sommes en 2018. Et ça s'est passé en 2010, 2011. Pour ne pas dire, ça a commencé en 99. Jusqu'en 2011. Et ça continue toujours. Parce que ce roi est là. Tant qu'il est là, moi je vois la menace. Tant que ce monsieur n'est pas arrêté et jeter quelque part, là où il ne va plus inquiéter les Ivoiriens, là où il ne va plus emmerder le peuple ivoirien, moi compris, je serai toujours complexé et je vais toujours avoir la peur au ventre parce que ce monsieur est un danger. Il est capable de tuer à n'importe quelle heure. Il est capable de tuer à n'importe quel moment. Et c'est un danger principal pour les Ivoiriens. Il n'est pas un danger seulement pour les opposants, mais pour tout le peuple ivoirien, y compris même sa propre famille. Ceux-mêmes qui l'ont mis au monde, il est capable même de les tuer. Parce que Soro, lui, sa tuerie n'a pas de limite. Tu peux même manger à lui, dormir à lui. Tu as même copine à lui, et puis Soro, il peut te tuer. Il n'a pas de limite. C'est un sanguinaire. Si vous regardez les yeux de Soro, voyez le sang humain. Parce que lui-même, son regard, c'est le sang humain. Quand il rigole, un salive que vous voyez sur sa langue, ce sont les larmes des gens qu'il a tués. Soro était sanguinaire. Faites très attention. Alors, cette vidéo, je la fais ce soir pour interpeller le gouvernement ivoirien de faire très attention envers Soro. Soro, là où il est, il a la haine farouche contre ce gouvernement. Les membres du pays qui sont là, Soro est là les amadouer. Il est là les draguer. Et ils se jouent comme des famulettes. Ils sont là, Soro, ils tombent dans le piège de Soro. Vous êtes devenus des femmes.
Et on vous drague maintenant, vous êtes sensible comme des filles. Ou bien des femmes. Excusez-moi, les femmes, ce n'est pas pour vous manquer de respect, mais c'est cette remarque que j'ai faite. Hein? Les hauts cadres du pays, ils se comportent comme des filles, des femmes. Hein? Et Soro, lui, il est le mec qui les drague, et puis bon, ils acceptent. Ils acceptent. Faites très attention. Il vous a tué, mais il n'a pas encore terminé de vous tuer. Il n'a pas encore fini de vous assassiner. Et tenez-vous prêts. Parce que si jamais Soro est le président de la République de Côte d'Ivoire, le RPI disparaîtra pour toujours. Parce qu'il va vous nuire, il va vous détruire. Quiconque ne veut pas adhérer aux idéologies de Soro Diom sera tué, assassiné, buté, enterré quelque part ou même jeté dans la lagune. Ce n'est pas un nouveau. Faites très attention envers Soro. Le gouvernement doit prendre conscience immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'en 2000, vous n'allez plus rester aux commandes pour dire « on met lui en prison, on met lui en prison ». Parce qu'une fois que la campagne électorale est engagée, vous n'allez plus prendre des décisions pour dire « on est capable, vous n'allez plus avoir l'autorité de lancer un mandat d'arrêt à tel ou à tel ». Non, tout le monde ne va plus gouverner et le pouvoir sera là. Et ce sont les nouvelles élections qui vont permettre, qui vont nous permettre de mettre encore un nouveau dirigeant au sommet de notre État. Avant 2020, avant que la campagne ou bien les campagnes électorales ne débutent, prenez des décisions nécessaires, des décisions appropriées pour nuire à Soro. Je n'ai pas dit mais arrêtez-le, mettez-le à la maca quelque part, il va rester là-bas un peu. Mettez-le, si vous pouvez même le livrer au Burkinabé pour qu'on puisse respirer tranquillement. Il doit aller partager la cellule avec un bassonné au Burkina. C'est sa place. Ou bien voulez-vous qu'il aille à la CPI, mais je suis pour. Amenez-le à la CPI. Et après, on n'en verra plus aucun Ivoirien à la CPI. Mais Soro Solva, lui, il mérite la CPI. Parce que si vous rigolez avec lui, en retour, vous allez prendre les pots cassés. Parce que si Soro il prend le pouvoir, il ne va pas jouer avec vous. Je préviens le RADP dès maintenant, ce soir. Regardez bien mon visage. Et cette vidéo, gardez-la. Gardez cette vidéo. Si vous jouez avec Soro, sa stratégie au deuxième tour des élections, je sais que le PDCI RDA ira au deuxième tour avec le RHDP. Et Soro, il ne donnera pas ses voix au RADP. Il donnera ses voix au PDCI RDA. Et si le PDCI RDA prend le pouvoir, Soro fera coalition avec le camp Bédier pour gouverner le pays. Savez-vous déjà que Bédier a une haine contre vous? Question. Mais je sais que vous le savez. Et vous êtes bien placé pour me répondre et trouver la question que je vous ai posée. Je vous dis et je reprécise que Bédier a une haine contre vous. Et le vieux Bédier, il ne lève pas pour lui à l'étranger. Si on dit quelqu'un est haineux, mais c'est Bédier. C'est clair. Bédier est l'un des politiciens ivoiriens le plus haineux de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il est très haineux. Et donc, s'il prend le pouvoir, il va vous le faire payer très cher. Même, il est capable même de lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. Il est capable de lancer un mandat d'arrêt contre Ahmed Bakoué. Tout ce qui va bouger, tous ceux qui ont déserté au sein du PDCI pour se rallier aux Zoufouettistes, Bédier est capable de les nuire. Non seulement il va les traquer, les poursuivre et leur créer des ennuis. Sans compter maintenant les actions de Soro Diom, parce que lui, il sera aux commandes. Il va pousser Bédier et même il va pousser le nouveau président de nuire tout le monde. Alors, ne soyez pas à 100% sûr que non, vous allez coûte que coûte gagner les élections en 2020. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, pour empêcher cela, je vous prie sincèrement et je vous demande d'amener Soro Diom à la CPI. Parce que c'est le seul moyen de vous sauver. Parce que même si vous le mettez en prison en Côte d'Ivoire, tous les militants de Soro Diom vont vouloir donner leur voix aux membres du PDCI, sachant bel et bien que les membres du FPI, eux-mêmes, c'est déjà fini, ils vont vouloir supporter Bédier. N'oubliez pas que le FPI vous déteste. Et donc, avec ça, cette masse qui va être derrière Bédier, une fois que les membres du PDCI sont élus président de la République de Côte d'Ivoire, ils vont libérer Soro. Et lui, à son tour, il va vous traquer, il va vouloir se venger. N'oubliez pas cela. Soro, il ne joue pas. Si vous jouez à Soro, lui, à son tour, il ne va pas jouer à vous. Lui, il ne met pas en prison, il tue. Il ne connaît pas ce que c'est que la prison. Lui, là, c'est Kalash. Tu déconnes, il t'abat.
N'oubliez pas qu'il a battu le ministre de la Défense de Gbagbo. N'oubliez pas qu'il a battu IP. Et il n'est pas le seul. Les Mao Glofier. Ah oui, oui, oui. Les Mao Glofier et tout. Il a battu beaucoup de personnes. C'est moi qui vais faire la liste. Ils sont tellement... ces personnes sont tellement nombreuses que je ne vais pas faire une liste parce qu'il n'aura pas de place. Il n'aura même plus de ligne sur laquelle je peux encore écrire. Il a tué des gens. C'est parce que ceux qui sont connus, c'est leur nom que nous citons. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas trop connus du public qui ont été assassinés par Soro Guillaume. Donc lui-là, c'est un vrai sanguinaire. Ne faites pas l'erreur de donner la liberté à Soro Guillaume jusqu'en 2020. Je pense que c'est la nouvelle année dès janvier, vous allez décider de chasser Soro Guillaume au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que Soro Guillaume qui ne vous aime pas, qui vous combat, et de surcroît, il est au sein de l'Assemblée nationale qui représente les oufouettistes. Ça, ce n'est pas bien. C'est une moquerie de votre part. Il se moque de vous, il se fout de vous, il ne vous considère pas. Il n'est pas de votre parti politique. Lui, il crée un front pour vous combattre. Et c'est lui encore qui est au sein de l'Assemblée nationale pour vous représenter. Mais il se fout de la gueule de qui? Il doit être démis de ses fonctions. Vous devrez le radier au sein même de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne doit pas représenter le RADP. Il doit être radié. Une fois radié, il aura un mandat d'arrêt contre lui. Ah oui, oui, ne le couvrez plus. Parce que vous allez vouloir le protéger, mais à son tour, il ne va pas vous protéger. Sachez-le, Guillaume Soro, il s'est bien menti. Il peut même vous croiser à huis clos pour vous dire, ne soyez pas inquiet, moi Guillaume Soro, je suis un chrétien, j'ai changé, je veux la paix. Oui, quand on veut manger le bonbon d'un enfant, on lui dit tous les mots doux. Quand tu veux d'une femme, mais qu'est-ce que tu ne peux pas dire? Maman, tu es jolie. Maman, tu remplis toutes les conditions d'une fille. Maman, vraiment, tu es mon rêve. Maman, c'est toi, je veux. Maman, je veux faire ma vie avec toi. Maman, maman, maman. Et maman, elle est séduite par tes parents. Faisons très attention. Vous, faites très attention. Soro veut vous amadouer, vous séduire. Et si vous tombez dans son piège, mais vers la fin, quand il va frapper, vous allez dire, si je savais, n'a pas de queue. Faites très attention. Alors, je demande au gouvernement ivoirien de prendre les mesures nécessaires dès le début de l'année prochaine pour démettre Soro Guillaume de ses fonctions et par la suite, lancer un mandat d'arrêt contre lui et l'amener loin des terres ivoiriennes. C'est-à-dire que ce soit au Burkina, à la CPI, mais nous aimerions qu'il soit éloigné des Ivoiriens. Il ne faut même pas y voir rester au sein. Cohabiter même avec les Ivoiriens, non, ça serait un crime contre l'humanité. Et nous ne voulons pas cela. Il faudrait que Soro Guillaume soit livré à la justice internationale ou à la justice burkinabé. Donc, voici ce que je tenais à dire. Alors, nous ouvrons les appels pour ceux et celles qui aimeraient bien intervenir pour donner leur vision sur cette affaire de Soro Guillaume et sur cette affaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Alors, on vous écoute, chers parents, chers frères, chers amis. On vous écoute. Vous pouvez appeler, nous contacter. On est là. Allô? Oui, oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ah, ça va bien. En fait, je t'appelle pour une intervention parce que j'ai même commenté là, parce que je pense que parfois il faut que vous arrêtez ce que vous faites, tu comprends? Oui. Que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo, parce que j'ai l'impression que toi, si c'est les billets que tu reçois, arrête de diviser les Ivoiriens, arrête ça. On arrive à un moment où la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays qui est vraiment un peu délicat pour tout le monde, tu comprends? Même les investisseurs aujourd'hui pour rentrer, ou même quand on doit investir, on réfléchit à trois fois. Et le discours que vous faites, c'est le discours des haineux. Tu ne vas jamais faire un discours contre Ouattara. Tu ne vas jamais faire un discours contre le gouvernement en place. Ah, écoute, vous ne me connaissez pas. Soro, il fait partie du gouvernement. Écoute-moi. Soro, il fait partie du gouvernement parce que il est le président de l'Assemblée nationale. Et si tu respectes ton assemblée, si tu respectes ton pays, il y a des discours que tu ne dois pas tenir. Non. Dès à présent, il ne respecte plus le gouvernement. Soro est un ennemi du gouvernement. Laisse-moi parler. Regarde ce qui se passe aujourd'hui en France. Tu as déjà vu quelqu'un qui a tourné le dos ou bien qui est venu faire un commentaire contre le gouvernement en dehors de ce qu'ils font. Ils sont unanimes. Mais arrête.
Quand tu parles de Bagbo, Bagbo, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Il est encore président de l'Assemblée nationale. Mais arrête-toi, pourquoi tu veux diviser les gens? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Tu peux faire arrêter quelqu'un, tu peux envoyer quelqu'un. Oui, c'est un pro Soro, je pense. Tu penses que Ouattara, il n'a pas la possibilité de faire arrêter Soro? Mais c'est parce que Ouattara, il est plus ivoirien que vous-même, vous êtes en train de faire vos bêtises sur Internet là. Ouattara, s'il devait faire arrêter Soro là, vous n'allez même pas vous mettre sur la toile pour gueuler. Ouattara allait le faire avant tout le monde. Tu comprends? Nous ne prenons pas comme si Ouattara là, c'est quelqu'un qui est bête. Ouattara là, il est très intellectuel. S'il devait faire quelque chose, vous n'allez pas vous mettre sur la toile pour dire à Ouattara, non, il faut arrêter Soro. Vous n'avez pas d'ordre à donner à Ouattara. Ouattara, il est entouré, il a des conseillers. Et les Soro dont vous parlez là, ils ont été les conseillers de Ouattara. Et Ouattara, il donne des conseils à ces petits là. Ce sont ces petits. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez diviser la Côte d'Ivoire. Moi, je te dis. Voulez-vous attendre les propos de Afousiata Baba? Vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous. Est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez écouter? Je sais pas. C'est des individus qui sont au sein du gouvernement, mais au sein des partis, qui vous donnent des miettes, des 500 000, des 1 000 euros. Et vous venez. Ce n'est pas une histoire de miettes. Arrêtez de gagner sur la personne. On ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est du n'importe quoi que vous faites. Okay. Et ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Okay. Parce que toi, tu étais malade. On pouvait prier pour que tu meurs dans ta maladie là. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas prié pour que peut-être tu meurs. Peut-être vous avez même prié. Qu'est-ce que j'en fais? Quand tu fais des choses comme ça, il faut savoir que tu fuis de Soro là. Il vient d'une communauté ivoirienne. Il vient du nord. Il a un village. Il a une famille. Ceux qui l'appuyaient là, eux, ils ne venaient pas de. Savoir, écoute, toi, tu n'es pas blanc. Eux, ils ne venaient pas d'une communauté. Je dis Soro Guillaume qui a tué là. Ceux qui l'a tué là, eux, ils n'avaient pas de communauté. Soro Guillaume, il a tué. Ok, moi, j'estime. Je vais dans ta logique, Soro Guillaume l'a tué, Bagbo l'a tué, Ouattara l'a tué, mais tu as me dit que Soro l'a tué, Ouattara l'a pas tué, Bagbo l'a pas tué. Mais pourquoi vous voulez ramener tout ça? Tu n'as pas le sujet? Tu n'as pas le sujet à faire avancer les Ivoiriens toujours. Arrêtez Soro Guillaume est un crime. Mais arrête. Chez vous, arrêtez Soro Guillaume est un crime. Tu n'as rien à foutre, mon ami. Quand tu étais malade, okay. Je suis la cale parce que nous tu vous remercions. Écoute, tu étais impuissant quand tu étais malade, tu sais quoi? Je tu dis. Tu étais impuissant quand tu étais malade. Je dis. Ça te dit que le souffle de vie là, ça n'appartient à personne. Donc quand tu dis non, on n'a pas arrêté Soro, toi, tu as quel pouvoir pour arrêter Soro? Tu as déjà vu quelqu'un qui a déjà bloqué Soro? On verra, frère. On verra, on verra. Je dis, on verra bien. Tu fous la merde. Tantôt, c'est Bagbo, on vous remercie. Arrêtez de mettre les Ivoiriens en parler. On vous remercie. Si nous, on est jeune, on est en Europe ici, on va se remercier. On vous remercie, frère. Là, on vous remercie. On vous remercie. Merci, merci. Lui, il prend exemple sur le Parlement français, l'Assemblée française. Mais est-ce que le président de l'Assemblée française, est-ce qu'il combat Macron? Il ne combat pas Macron. Lui, il est pour Macron, il représente Macron là-bas. Avez-vous déjà vu le président de l'Assemblée nationale française poser ou bien annoncer sa candidature contre son camp? Jamais, cela n'existe pas. Mais Soro Guillaume, il envoie ses porte-parole à Afousiata Baba. Combien vous voulez écouter sa vidéo? Elle dit, on va voir qui est qui dans le pays là. Et que Soro Guillaume va poser sa candidature, qu'ils veulent ou pas. Alors, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à qui? Et que les tracasseries ne peuvent pas effrayer Soro Guillaume. Et que en 2020, eux, ils sont là à préparer un coup. Comment ils doivent faire pour réunir le peuple et le peuple choisit Soro, pour que le peuple puisse choisir Soro, et que tous ceux qui font truc, ils s'en foutent d'eux. Alors, n'avez-vous pas vu l'un des ministres d'Alassane Ouattara attaquer Soro violemment? Et pensez-vous que Soro Guillaume, il représente encore le RADP? Mon frère, toi qui viens de parler, ou bien vous qui venez de parler pour le respect que je vous dois, faites très attention, parce que votre Soro, il ne représente plus le RADP. Il devrait être demi de ses fonctions dès le début de l'année prochaine. Et ce n'est pas un débat. Observons et regardons. Il ne s'agit plus de la plaisanterie. Il ne s'agit plus d'amadouer Soro ou bien jouer Soro. Il s'agit de prendre des décisions avant que Soro ne fasse. Soro, on ne peut pas le laisser massacrer hein, la population ivoirienne. Si Ouattara joue avec lui, c'est lui qui va massacrer Ouattara. Et je préviens au gouvernement. Amel Bakayoko, cet appel est à vous. Faites tout, mettez toutes les pressions sur Alassane pour qu'il puisse vous débarrasser de Soro Guillaume.
Car si Soro Guillaume reste là, vous êtes mort. Ça, c'est clair. Allô? 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 Oui, bonsoir. Salut, frère. Bonsoir. Ça va très bien, merci beaucoup. Oui. Mon frère, j'appelle pour intervenir là. Nous vous écoutons. Sur les deux sujets, au fait. Oui. D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier un monsieur, un intervenant d'hier. Je dois parler tout le temps. Le frère juriste qui est en France là-bas. Oui. Celui qui a parlé avant la VMA Chalelka la deuxième fois. Il a dit quelque chose qui est très important. Je ne vais pas répéter. Mais vraiment, toute la nuit, je n'ai fait que penser à ça. Ça m'a... J'ai essayé de changer aussi ma vision de voir les choses. Tu sais, dans la vie, l'homme, il faut toujours rester dans les bénéfices du doute. C'est très important. Oui. Bon, bref, maintenant, ton sujet, ton deuxième sujet, est ton... j'aime beaucoup le sujet. Le sujet est très bien placé. Mais la Soro Guillaume, bon, peut-être c'est l'écriture, je n'ai pas aimé l'orthographe, mais je ne vais pas trop rentrer dans la scène politique. Moi, je dis le sujet important par rapport à l'indépendance. Parce que plusieurs personnes sur les réseaux sociaux en train de parler, tout ça. L'indépendance d'abord, il faut savoir c'est quoi l'indépendance, c'est très important. C'est la partie qui m'a plu aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il faut apprendre à nos jeunes frères et à certains qui ne savent pas ce que c'est l'indépendance. Toi-même d'abord, il faut être indépendant avant de parler maintenant pays. C'est important. Si tu connais l'indépendant, l'autonomie, la capacité de gestion, les... c'est bien. Parce qu'un garçon, quand tu te réveilles matin, tu es célibataire, par exemple, chez toi d'abord, avant de sortir, arrange bien ton lit. Si ton lit est bien arrangé, lorsque tu sors, tu vas te chercher. Et même quand ça va, ta journée est gâtée, quand tu te retournes, quand tu rentres à la maison, tu vois ton lit est bien repassé, bien arrangé. Ça te donne le courage de dormir et de réfléchir pour demain encore. L'indépendance, d'abord, il y a deux façons d'indépendance. C'est-à-dire, il y a l'indépendance qui est c'est une condition d'un État qui ne relève pas à un autre État. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à tout. L'autonomie, la souveraineté, la liberté, l'identité, l'autogestion, le séparatisme, le nationalisme. Tout ça, c'est l'indépendance. Nous, on est indépendants. Mais quand j'entends des présidents, comme le président de la Guinée, qui dit, je ne veux pas que la France se mêle de nos affaires, mais je souhaiterais que la France nous aide à équiper nos armées, c'est grave. Ça veut dire que je ne suis pas encore indépendant. L'indépendance est arrivée en 1960, presque dans tous les pays africains. Nous n'étions pas prêts, soyons sérieux. On n'était pas prêts, c'est arrivé, mais... on doit critiquer et on doit corriger nos défauts pour avancer à nouveau. Ça, c'est bien. Donc, c'est bien ce que vous faites toujours. Moi, je vous félicite. Maintenant, pour revenir sur le deuxième état et débat, parce que je n'ai pas trop de temps, je ne vais pas durer sur l'indépendance. Le frère qui vient d'appeler, il a dit quelque chose, certaines choses qui sont bonnes, mais certaines choses qui ne sont pas bien. Parce que le frère t'a appelé, c'est ton émission. Tu peux répondre à ce que tu veux, tu peux le couper en... moment. Lui, d'abord, il est venu avec sa voix de baryton. Je t'insulte pas, mon frère. C'est l'intonation de ta voix. Il est fâché. Donc, quand il est fâché, tu vois les écritures. Chacun commente. Non, lui, c'est un pro-suro. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Il a dit quelque chose qui est très important. Frère Dieu, tu m'excuses. Je suis un être humain. Je suis comme toi. Je suis un jeune Ivoirien. Mais moi, je ne contribue pas à la réussite de la Côte d'Ivoire. Toi non plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de business à Abidjan. Je n'ai rien et pas d'impôts à la Côte d'Ivoire. La seule chose que je fais, c'est pour amener les MoneyGram Western Union à mes parents pendant que je suis ici. Je ne paye pas d'impôts, mais je paye des impôts aux États-Unis. Donc, Soro Guillaume, c'est un président d'une institution. Il est à respecter. Je suis d'accord avec lui. Mais lorsqu'il vous appelle, il crie et il te demande encore, il t'autorise de l'écouter. Ça, c'est méchant maintenant. Parce que les haines, comme le frère a dit hier, laissons les émotions de côté. Les débats contradictoires, c'est important. On apprend de tout un chacun. Comme je t'ai dit, j'ai appris du frère hier. Soro Guillaume, de la manière que vous l'attaquez, c'est pas trop bien. C'est un président de décision. Il a fait des erreurs, mais vous pouvez expliquer autrement et on en discute.
Mais le frère qui vient d'appeler, ne l'insultez pas. Ce n'est pas parce que lui t'insulte que tu vas l'insulter. L'amiral, comme on appelle l'autre, lui qui est toujours au volant en train de faire les vidéos à Paris, l'animal blindé, lui l'insulte tout le temps. Tu te le pouvoir en place. Comme le monsieur vient de dire, vous présentez, si vous respectez le président de la République, il faut respecter le président de l'Assemblée nationale. Il faut respecter le, parce que c'est une institution. Encore, je ne vais pas durer parce qu'il y a plein d'intervenants. Je suis un être humain comme toi. Si j'ai dit quelque chose de déplacé, je m'excuse. Mais c'était juste pour ajouter quelque chose. Merci à vous. Pas de problème. Voilà. Alors, nous écoutons ceux qui aimeraient bel et bien participer. Bon, d'autres me disent que je ne critique pas Ouattara. Non, ce n'est pas vrai. On a critiqué Ouattara ici, il y a longtemps. Bon, on doit critiquer tout le monde, vous comprenez? Allô? Allô, bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien, et de votre côté? Ça va, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Vous me permettez, je peux intervenir à votre émission? Nous vous écoutons, frère. Vous avez abordé deux sujets. Oui. Ils sont beaucoup intéressants. Concernant l'indépendance, c'est vrai, nous crions beaucoup à tout moment vu l'indépendance, mais ça, nous n'arrivons pas à fabriquer quelque chose. Nous devons nous revoir d'abord avant d'avoir cette indépendance que nous voulons. Ça, c'est d'un. Concernant le président de l'Assemblée nationale, vous savez, nous sortons d'une grande crise. Vous avez dit tout à l'heure que l'intervenant qui venait de passer a pris un exemple sur l'Assemblée nationale de la France. Bien. Dans le cas contraire de la Côte d'Ivoire, M. Soro, étant président de l'Assemblée nationale, je crois bien qu'aujourd'hui, s'il a de ses comportements, est-ce que vous me suivez? On vous écoute. Il faut chercher à savoir que peut-être il y a eu des accords signés et qui ne sont pas respectés, qui poussent le monsieur dans ces conditions. Bon, moi, particulièrement, ces histoires de pro, je ne suis pas dedans parce que ça ne m'apporte rien. Aujourd'hui, c'est ce que le frère qui vient de partir vient de dire. Nous vous suivons beaucoup. Nous sommes des Ivoiriens. Vous qui êtes souvent à l'antenne, faites un effort pour donner de l'amour à tous les Ivoiriens. Parce que mille de rien, qu'on arrête Soro, qu'on envoie à la haie, qu'on fasse cela à Soro, ça pète. Même celui qu'on n'a pas arrêté, son parent, il peut vivre en paix en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas. C'est le pays qui va s'entre-déchirer. Arrêter Soro va conduire les Ivoiriens à s'entre-déchirer, c'est ça? Non, parce que ce que je venais de vous dire, est-ce que si aujourd'hui il y a eu ce désaccord entre eux, savez-vous quel accord ils ont signé qui n'a pas été respecté, qui conduit des gens de cette manière? Soro ne nous a pas dit qu'il avait signé un accord. Il vous a dit quelque chose? Moi, ce que je tiens à vous dire, on vous suit beaucoup. Souvent, vous nous apportez des éclaircissements. Oui? Oui, mais moi, je trouve qu'il serait mieux souvent dans vos vidéos c'est-à-dire d'essayer d'adoucir un peu pour ne pas que. C'est-à-dire, le monsieur a dit, il y a le frère Amiral Blondé. C'est-à-dire, quand lui vient, soit c'est le président Ouattara, l'insulte. Quand toi tu viens, c'est le président, comment on appelle? C'est Gbagbo ou bien c'est Soro Guillaume? Bon, moi je trouve que c'est pas trop ça. Parce que, dites-moi, mille de rien, tous ces grands pays que vous citez en longueur de journée, quel est le pays qui s'est développé sans problème qu'on a, comme la Côte d'Ivoire? Au passé, Soro a été chef de rebelle, on doit vivre sur ça, sans chercher à se pardonner. Je ne pense pas. Donc, faites de sorte, vous qui parlez, vous qui prenez l'antenne pour parler, faites de sorte qu'on arrive à se pardonner. Parce qu'il n'y a pas un pays, même la France dont vous citez, où tu es toi-même en Belgique, ils ont un passé douloureux. Alors, on doit rester à tout moment taper sur Ouattara, taper sur Bédié, taper sur Gbagbo, taper sur Soro Guillaume. Mais dis donc, si vous vous êtes donné l'occasion de nous parler, je crois bien que faites un effort pour qu'on ait de l'amour. Parce que si je me rappelle bien dans tes anciennes vidéos, toi-même, tu criais qu'on a tué tes parents à l'Ouest. Qu'as-tu mangé maintenant pour retourner la veste, mon cher frère? Moi, mon problème, je vous ai dit. C'est quelle veste j'ai retourné? Oui, mais d'un seul coup,
Soit c'est Gbagbo qui insulte, ça c'est Soro qui insulte, ça dit. Pensez-vous que j'ai insulté Gbagbo? C'est quoi vous appelez injure d'ailleurs? Parce que les gens ils parlent injure, tu insultes, c'est quoi vous appelez injure? Dénoncer quelque chose c'est injure chez vous? Non, non, le comment, ça dit insulter, c'est pas qu'on te dit imbécile, qu'on appelle imbécile. Mais c'est quoi vous appelez bon, injure? Je ne vais pas trop te prendre l'antenne, mais moi je vais te demander simplement, faites un effort pour que de cette crise dont on sort, on va vers 2020. Si on a de ces genres de discours encore à l'oreille, vous voyez ce que ça fait. Donc, il ne faut pas, ils vont arrêter Soro, c'est ça? Oui, mais à ton avis, dis-moi, tu as dit concrètement qu'on arrête Soro parce qu'il est un danger pour le parti au pouvoir, n'est-ce pas? Il est un danger même pour tous les Ivoiriens, pas seulement le parti au pouvoir. Est-ce que tu crois que tu connais mieux Soro que M. Alassane Ouattara, lui-même le président? Tu le connais mieux que lui? Je connais Soro. Tu connais Soro mieux que Monsieur le Président Alassane Ouattara? Je connais Soro. Il n'est pas ivoirien ou bien il est quoi? Soro, il est ivoirien. Non, non, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Le comportement que toi tu trouves douteux pour la raison pour laquelle tu demandes à ce qu'on l'arrête. Est-ce que Monsieur Ouattara ne connaît pas ce Monsieur Soro mieux que vous? S'il vit avec lui. Je dis il n'a qu'à l'arrêter. Peut-être il n'a pas cette vision et c'est nous qui lui demandons cela. Est-ce que ce n'est pas bien? Donc, toi, est-ce que Macron avait une vision de... Non, non, non. Donc, vous voulez... Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Voulez-vous dire que Macron ne connaît pas son peuple, raison pour laquelle il faisait une politique qui ne correspondait pas à la politique du peuple? Mais c'est parce que le peuple a dû se mobiliser pour rappeler à Macron que non, voilà. Donc, nous, peut-être, Alassane, il ignore le cas Soro, mais nous... Disons à Alassane de se réveiller et que le sommeil dans lequel il est, ce n'est pas bon. Et que s'il est dans ce sommeil jusqu'en 2020, il risque de payer ça très cher. Alors, il faudrait qu'il prenne des mesures bien appropriées avant 2020. Voilà ce que nous disons. Donc, ce n'est pas un crime. Non, monsieur. Non, ce n'est pas que c'est un crime. Mais au moins, quand vous faites les vidéos... Quand vous faites les vidéos, moi c'est ce que je vous souligne. Quand vous faites les vidéos, éliminez un peu les injures pour que nous qui vous écoutions. Qu'est-ce que vous appelez injures? Est-ce que dans cette vidéo, on a proféré des injures? C'est quoi? Attends, qu'est-ce que j'ai dit qui est injure? Ça fait plusieurs fois dans tes émissions quand on parle. Je me rappelle bien une fois, il y a une dame. Non, ça, non, vous dites injures. Qu'est-ce que vous appelez injures? Avez-vous entendu des injures ici? C'est ce que je soulignais parce qu'il y a madame, comment on appelle, celle qui s'appelle madame quelque chose Japon. Une fois, vous lui avez posé la même question. Qu'est-ce que tu appelles injure? On dirait qu'à ton niveau, tu ne sais pas ce que c'est que l'injure. Pour toi, l'injure, c'est mais, toi qui as quelqu'un. Non, c'est vous qui dites que j'ai insulté dans cette vidéo-là. C'est quoi vous appelez injure? Dites-moi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire tu insultes. Mais dites-nous ce que nous avons dit qui est injurieux. Maintenant, là, on ne peut plus dire ça. Qu'est-ce que moi j'ai pu dire? Dites-moi, monsieur. En ton âme et conscience. Monsieur Soro étant arrêté, toi tu peux lui réciter ce que tu t'entends réciter. Non, qu'est-ce que vous appelez injure? Dites-moi ce que vous appelez injure. Il ne s'agit pas de dire ce que tu es en train de réciter et tout. C'est quoi une injure chez vous? Et ce que j'ai dit qui est considéré comme une injure. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Ah, ok. Nous merci vous remercions. Pour l'émission. Nous vous remercions. Faire un effort pour que nous ayons de l'amour et pour que le pays puisse avancer. On vous remercie. Rappelle-toi que tu as, dans tes passés, tu disais qu'on a tué tes parents. N'oublie pas tes anciennes vidéos. On vous remercie. Vous savez. Déjà, ils viennent, il ne faut pas insulter, tu insultes. Mais quand on leur demande, c'est quoi une injure? Qu'est-ce que j'ai dit qui est injurié là? Il ne peut pas répondre. Hein? Arrêtez quand même de faire la propagande. Non, il ne faut pas insulter. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel mot Guerre a prononcé qui est injurié? Non, ils ne sont pas en mesure de le dire. Mais non, il ne faut pas insulter. Vous comprenez? Arrêtons quand même ce genre de choses. Arrêtons. Quand même, n'accusons pas à tort ou à raison une personne parce qu'on n'aime pas ses propos. Ne disons pas que la personne insulte. Donc, pour cela, hein, on va l'accuser. Oh, pourtant, la personne n'a pas insulté qui que ce soit. Allô? Oui, ne quitte pas, je vais mettre mes écouteurs, s'il vous plaît, parce que j'étais sur l'autre appareil. Oui. Vous m'entendez? On vous écoute. D'accord. Bonsoir, M. Guéguet, comment allez-vous au niveau de la santé? Ça va, ça s'améliore, par la grâce de Dieu. D'accord. Ouais. Ok. Bon, je salue tous les auditeurs et puis
Celui qui appelle des États-Unis souvent, là, je le salue, je l'embrasse. Oui. Ok, je vais rentrer dans le sujet. Bon, vous savez, aujourd'hui, comme les gens se plaignent, Soro, malheureusement, je vais dire, il est le président de l'Assemblée nationale. Donc, on va parler terre à terre et avec de respect, mais en rappelant aux gens s'ils ont oublié qui est Soro. Il y a un de ses fanatiques soristes qui a appelé, il avait bien commencé. Il a dit un truc qui m'a donné froid. Il vous souhaite la mort, que dans la maladie vous aurez pu mourir, mais il veut vous voir mourir. Donc, c'est pour ça que des fois, il ne faut même pas laisser qu'on se laisse emporter par la colère. Et il est si jeune, s'il dit ça veut dire que lui, il a vu, il a assisté, c'est un soloriste, il a l'habitude de voir les gens mourir. Et non pas de maladie, mais de voir les gens égorgés devant lui. Donc il décrit sans indirectement qui est Soro. Indirectement. Voilà. Si on dit qu'on ne veut pas que Soro soit président de la République de la Côte d'Ivoire, les gens, on a des raisons. Il y a eu deux camps qui ont fait la guerre. C'est parce que M. Ouattara dit qu'il ne veut plus amener les gens à la CPI. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a eu deux camps qui ont fait la guerre. Mais il n'y a pas que ça. Soro même, il y a beaucoup de, pour ne pas dire, il y a trop de gros cailloux dans son sac qui est lourd sur son dos. Vous l'avez si dit, mais vous n'avez pas répété, vous ne saviez pas qui c'est. Soro a fait tuer Désiré Tagro, soi-disant, parce qu'ils n'allaient pas pouvoir gouverner. Et Désiré Tagro est le frère de son épouse Sylvie. Il faut le faire quand même, hein. Lui-même, il a dit dans les vidéos, quand il avait la conversation avec celui de Burkina Faso, là, de la Côte d'Ivoire encore, il donne des ordres au Burkina Faso en disant qu'il y a deux là-bas, là. Si je n'ai pas terminé avec eux, là, je ne serai pas en paix. Et puis, on ne sera pas en paix. C'est-à-dire que, étant en Côte d'Ivoire, en tant que, à l'époque, il était premier ministre, en tant que, soit il était premier ministre ou député, Non, il dit que. il était toujours président de l'Assemblée nationale. Ma président de l'Assemblée nationale, voilà un président de l'Assemblée nationale d'un autre pays qui demande, c'est-à-dire que des choses qu'on reproche aux blancs, c'est ce que le noir, comme Soro, a pris, qui demande qu'il demande à son collègue, Bassolé. qui veut renverser le pouvoir, de finir avec ces deux-là. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font peur à Soro, Soro doit les éliminer. Que ce ça, les soit en Côte soloristes d'Ivoire ou au doivent. Burkina, il doit les Voilà, tuer. Soro doit les éliminer et ça, les soloristes veulent que nous, on avale ça. Donc, disons, moi, je veux leur dire que peut-être qu'il faut qu'on parle à Soro avec du respect par rapport au poste qu'il occupe pour ne pas salir notre nation. Oui, peut-être par rapport au poste du président du national qu'il occupe. Mais je suis désolé. S'il faut qu'il y ait, Soro doit rendre compte à la justice. Est-ce que eux trouvent ça normal quand Soro va d'un funérail? Donc, c'était le funérail de M. Abdou Dalla Sangaré. Ça leur a plu parce que pour eux, Soro demande pardon jusqu'à ici. Il me dit, c'est pas possible. Mais Soro, ce n'est qu'un manipulateur. Soro, c'est un méprisant. Soro, c'est un malin. Et comme vous le dites, il va demander pardon. Il va demander présenter des excuses. Et à ce moment-là, il demande qu'on lui accorde, comme on l'appelle, qu'on lui accorde son pardon. Qui offre son pardon aux gens. Il sait que quand il était dans le gouvernement, le gouvernement passé, il a dû blesser les gens. C'est-à-dire, il a dit, il demande, il donne son pardon, il dit qu'il a blessé les gens. Mais moi, ce que j'appelle blesser quelqu'un, c'est quand tu as insulté quelqu'un profondément, que ça l'a blessé, que la personne pleure, que la personne te dit vraiment tu m'as blessé, ça c'est blesser une personne. Je vous offre mon pardon. Mais attendez. Avec tant de morts que Soro a fait, il n'y aura pas une justice pour Soro. Et il est arrogant en plus. Il dit, il offre son pardon aux gens. C'est lui. Et il n'y aura pas de choses. Et puis, Il monsieur, demande pas à ce que je suis le d'accord. peuple lui Non, pardonne, mais lui, c'est lui qui maintenant offre son pardon aux gens. Comme si c'est lui qui avait raison sur les morts. Il se fout de la gueule des gens. quand on intervient, il faut écouter, parce que On sinon, vous écoute. on oublie un peu le truc, voilà, moi je suis plus jeune. Et puis je vais dire que quand même, depuis un bon moment,
C'est vrai qu'ils nous font croire, ils nous prennent pour des moutons, ils font croire qu'il n'y a pas de problème entre Soro et le gouvernement et Ouattara et le NDN. Ok, nous tout ce qu'on veut, pour ne pas que le pays brûle, on ne veut plus de mort. Mais Soro ne fait que voyager depuis un moment et puis son salaire tombe à la fin du mois. Est-ce que c'est normal? Mon président de l'Assemblée nationale en France ici, là, actuellement, il ne peut, peut même pas se permettre de voyager. Son boulot s'est multiplié par 10. Après ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, il y aura des réunions sans arrêt avec le président Macron, avec ce beau discours qu'il a tenu. J'ai beaucoup apprécié Macron. Il est descendu de son piédestal. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais selon le fait que voyager, actuellement je vous parle, il est au Congo. Il a été reçu par Sassou. Il parle de paix, il parle de paix, c'est bien. Mais le déplacement de Soro, quand on veut analyser ça, comme quelqu'un qui analyse vraiment, une spécialiste ou bien un spécialiste de l'analyse. Soro, c'est quelqu'un qui a peur de ce qui va lui arriver. On voit ça. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et puis s'il demande pardon, qu'il ait l'honnêteté de dire oui, moi j'ai versé le sang, j'ai tué mes frères ivoiriens, je vous demande pardon. Mais il demande pardon comme si c'était légèrement. Mais en temps, il y a des gens qui sont encore à la Maca, en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas fait ce que Soro a fait. Il y a des gens qui en sont morts, il y a des gens qui sont en exil. Il y a des gens qui n'ont plus d'argent. Soro, il circule. Il entretient peut-être même des jeunes. Bon. Ok, on dit de parler de lui avec le respect de la constitution qu'il porte. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'il a mené à la constitution là? Question. Le fait qu'il a été rebelle, qu'il a tué les Ivoiriens, qu'il a été ministre de Gbagbo. Il a été récompensé par peur, pensant que ça allait ramener la paix. Et voilà, ça n'a pas ramené la paix. 2010 encore, quand les élections sont finies, net, paf, il est parti. Il a dit que c'est Ouattara qui a gagné. Ça, je m'en doute. Je ne doute pas que M. Ouattara ait gagné les élections. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne faisais pas partie de contrôleurs, ou bien comment on les appelle là. Mais je veux dire que quand on voit comment Soro se comporte, moi, j'ai dit le Soro, c'est vrai que peut-être qu'il est président de l'Assemblée nationale, mais le côté fessis là, c'est dans ses veines. C'est dans ses veines, c'est comme ça qu'il se comporte. Et c'est pour ça que j'apprécie maintenant M. Ouattara, parce que M. Ouattara, peut-être, on va dire que M. Ouattara a utilisé Soro, mais je suis désolé, Soro, ce n'est pas un gamin. Si M. Ouattara l'a utilisé, puis M. Ouattara maintenant voit qu'aujourd'hui, Soro là, pour le poste de président là, lui Ouattara, Soro peut le liquider, il peut liquider deux personnes là. Je suis très content que M. Ouattara n'est pas ni Gbagbo, ni les autres personnes ivoiriennes. Et ça, j'apprécie ça. Mais M. Soro doit rendre compte à la justice. On ne dit pas forcément à la CPI. Déjà, il y a un procès au Burkina Faso, c'est M. Ouattara qui a apaisé. Mais s'il continue de sauter, emmerder son monde. Vous avez parlé de la vidéo de Mme Afousata Bamba. Je ne l'avais pas vu. Quelqu'un vient de me l'envoyer, je l'ai écouté avant que je vous appelle. Effectivement, c'est des gens qui sont arrogants. Quand elle confirme que Soro sera candidat, il sera président de la République en 2020, ça veut dire quoi? Elle ne peut pas dire que Soro sera président en 2020, sachant qu'il n'y a pas encore des élections. Ça veut dire quoi? Ils vont encore venir par des armes? Ils vont encore venir par des armes, c'est de ça qu'il s'agit. Donc Soro, ou M. Ouattara l'arrête, mais ou alors qu'il n'y ait pas d'élection en 2020 et qu'il prépare bien des élections, que les Ivoiriens soient bien protégés. Ok. Qu'il n'y ait pas de. Voilà, merci. Nous vous remercions, Mme Chalek. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est pour intervenir, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok. J'ai comme l'impression, excusez-moi, monsieur Didier. Oui. Je vous suis il n'y a pas trop longtemps. Mais ces 5 à 6 vidéos que j'ai suivies, je vois que si c'est pas beau vous incriminer, soit c'est Soro. Je vous ai jamais vu en train de parler de ce que Ouattara fait qui n'est pas bon. Donc je trouve pas ça un peu juste, franchement. Voilà pourquoi je vous appelle. Ah, ok. Oui. Ok, nous vous remercions. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ce qui ne va pas au pays. Vous parlez de Gbagbo, alors que Gbagbo n'est plus là-bas. On parle de tout. Il y a la paix là-bas. On parle de tout, frère.
Les Ivoiriens, vous devez aussi parler, vous devez aussi parler. Les Ivoiriens se plaignent. On casse leur maison. Ils sont dans la faim. Vous devez aussi parler de ça. Pour que ça change. On parle de tout, frère. Donc, voilà pourquoi j'ai appelé, en fait. Ok, nous vous remercions. Ok, merci. Au revoir. Ciao. Allô? 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 Allô, bonsoir, monsieur Didier. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Dieu merci. Et vous, la santé, ça va mieux? Oui, par la grâce de Dieu. On ne se plaint pas. Ah, d'accord. Mais moi, j'appelle ce soir encore. Oui. Pour intervenir sur le cas Soro. Il y a eu tout à l'heure un intervenant qui venait de parler là. Oui. Monsieur Didier, tu es maître de ton direct. Quand tu fais ton direct, les gens, s'ils veulent, ils acceptent celui qui ne veut pas, ils partent. Tu n'obliges personne à être là. On est là, on apprend, on échange. La politique, ce n'est pas des injures, ce n'est pas la colère. Oui. Voilà. C'est argument contre argument. Voilà. Moi, je voulais me poser sur le cas Soro. Franchement, Soro est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Il mérite un grand respect. Il doit être respecté par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand on est président de l'Assemblée nationale, on est membre du parti au pouvoir, on ne peut pas combattre ce même parti-là. Oui. Soro, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est encore vice-président du RDA ou du RSDP, mais il a un parti satellite. Qui est Laurence, un parti satellite, c'est-à-dire un parti qui est encore dans l'ombre, parce qu'il a un agenda caché, tout le monde le sait. C'est lui qui a commencé à dire déjà qu'il va être candidat à Laurence à 2020. Ce n'est pas caché. Afoussia Tambaba a fait la déclaration hier que Soro sera bel et bien candidat. Il ne le dit pas. Personnellement, il ne le dit pas. Il se cache toujours derrière. Il laisse ses lieutenants affirmer. Il ne dit pas, il ne se prononce pas. Démission du RDA ou du RAGP, fais ton parti. Tu es libre, M. Poin, tu es libre d'être candidat de quelqu'un qui a été député de FAT depuis 2011. Est-ce que vous pouvez un peu parler plus fort si possible? J'ai dit quelqu'un qui a été député de FAT depuis 2011. Oui. Même pas une proposition de loi sociale en faveur de ce peuple de faire qu'il a, Soro l'a pas fait. Même pas un dispensaire à faire qu'il a été ministre de la Défense, ministre de la Communication, premier ministre et président de l'Assemblée nationale, même pas un dispensaire, même pas une école, même pas une infrastructure à faire qu'il, même pas même aussi une proposition de loi sociale pour ce peuple de faire qu'il a. Pour tout le peuple ivoirien, pas pour faire qu'il. Je me dis que la Côte d'Ivoire est un peu grande. Je veux dire que la Côte d'Ivoire est grande. Je me réfère à la ville où il est. Ah, ok. Pour oui, son échec de la ville voilà. D'où il vient, en fait. Même pas un dispensaire, même pas une prostituée. Pour qu'on puisse dire demain, ah, M. Soro, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre. Il a fait telle école ici, il a fait un dispensaire ici, il a fait telle infrastructure. Rien de tout cela. Même pas aussi une proposition de loi sociale à l'Assemblée nationale. Pourtant, il est président de l'Assemblée nationale, c'est eux qui votent les lois. Il passe son temps à se balader dans différents pays. Je ne sais pas s'il cherche des alliés. Non, il cherche des alliés parce qu'en 2020, il a un projet de contester les résultats. Et donc, pour qu'on puisse le soutenir pour dire que c'est son camp qui a gagné. Donc, voilà les magouilles qu'il fait déjà. Alors qu'il a un agenda caché. Il est toujours derrière, il laisse toujours ses lieutenants affirmer, lui-même il ne se prononce pas. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ceux qui ont vécu à Boaké, ils ne veulent même pas entendre parler de Soro. Ceux qui ont vécu à Korogo, ils ne veulent même pas entendre parler de Soro. Parce que Soro, à Korogo, ils ont mis des gens dans les conteneurs et les mettre au soleil. Faut la fête. À Boaké, des gens ont été pillés, des gens ont tout perdu. Il y avait du racket, il y avait un escadron de la mort. Je veux dire, un escadron,
spéciale pour Soro. Oui. Contre les Boakéens, c'est-à-dire celui qui n'adhérait pas aux dos de Soro, était traqué. Ça, tous ceux qui sont passés à la fléchie, pour faire la remarque, c'est des dictateurs. Soro, c'est pas un démocrate. Ils sont passés, quand tu regardes avec ce qui se passe sur Burkina, quelqu'un qui a fait assassiner son propre beau-frère, son propre beau-frère, je dis, le grand frère sa femme, quelqu'un qui reste en Côte d'Ivoire, qui veut commanditer un coup au Burkina, faire le Burkina comme base arrière, n'est pas un exemple, n'est pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Soro, c'est vrai, il a été premier ministre, il a été le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il a été ministre, mais il n'est pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin des personnes qui n'ont pas des programmes de société. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui peuvent continuer le travail du docteur Assamblama Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin des gens comme l'étudiant Tiam, des personnes de nouvelle génération, quelqu'un qui n'a pas été mêlé à la crise, quelqu'un qui aspire même au niveau de la probité, qui n'a pas fait des dégâts. Sur la tour des casseroles, sur trop de casseroles. Ok. Bensouda l'a dit, je vais terminer. Bensouda l'a dit dans une interview, elle a dit que tous ceux qui sont mêlés dans les deux camps seront poursuivis tôt ou tard. Mais je sais qu'après 2020, il y a l'immunité qui est là. Donc c'est une manière de se protéger et avoir une immunité. Oui. Je sais que si il n'est plus président de l'Assemblée nationale, il n'est plus président, à tout le coup, le dossier va recevoir dans ce pays. Donc voilà quoi, c'était mon intérêt. Ok, nous vous remercions, frère. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dédé. Oui. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Moi, c'est monsieur Sergio Guigucha. Ok, monsieur Sergio, nous vous écoutons. Oui, Sergio Guigucha. Oui. Voilà, c'est juste, voilà, quand appuyer l'intervenant précédent tout à l'heure, voilà, et le titre de ton débat, de ton direct, c'est bel et bien juste. Voilà, Soro, il est très dangereux. Voilà, c'est un monsieur qui a toujours fait du mal à ceux qui l'ont fait du bien. Je prends le cas, par exemple, du général Koulibaly Ibrahim, qui a fait de lui un grand dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il a fait à IB en retour? Question. Hein? Il a fait tuer IB. Avec beaucoup de grands chefs, et beaucoup de chefs de guerre. Par exemple, Adams le tombeur en 2003. Parce qu'il s'est déclaré prohibé. Et puis, il y a eu le combat du 20-21 juin 2004 à Boaké et puis Kourougo. Ils ont tué les gens cadeaux à Kourougo. Il y a eu le conteneur au CTK, c'est-à-dire la compagnie territoriale de Kourougo. C'est un camp militaire qui était occupé par le commandant Fofio Kouakou Martin. Ils ont tué les gens là-bas en désordre. Et ils ont mis des gens vifs dans les conteneurs qui sont morts par manque de respiration, qui ont été jetés à la carrière à Kourougo, nouveau quartier, et qui a été découvert par l'ONUC, la force d'Icone. Ben, moi, je ne sais pas, Icone, c'est quoi pour dire qu'il sera candidat. Au Nord, nous, on ne l'aime pas parce qu'il a tué les gens. Il a tué les enfants gratuitement. Voilà, parce que lui qui n'est pas avec lui, il le contient avec lui, pour être avec lui, avec les arbres. Voilà, donc qu'il ne se fatigue pas, il ne peut pas être présent dans ce pays. Voilà, et tôt ou tard, il va payer pour ses péchés, il va payer pour la mort du général Ibé, parce que le monsieur ne lui a rien fait, et voilà, il a tué le monsieur. Voilà, c'est bien sûr, il ne peut pas passer, c'était juste mon intervention. Merci, c'était M. Sergio Guigucha. Nous vous remercions, frère. Alors, nous vous écoutons. D'autres, ils disent qu'ils veulent voir. Écoute, je vais appeler M. Atu. Il a tenté de nous joindre à plusieurs reprises. Donc, nous allons essayer de le joindre. Voilà.
Allô? Il paraît qu'il y a un petit souci de connexion de son côté. Ça ne répond pas. Excusez-nous, mais je vois, il y a des gens qui soutiennent Soro, c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur logique, ils sont aussi dans leur droit. Allô? Oui, allô, monsieur Guédé, vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons. Deux sujets, je commence par le sujet sur l'indépendance. Oui. Tu sais, pour être indépendant, c'est une lutte. Hein, ça veut dire qu'il y a deux facteurs. Il y a la lutte et puis il y a l'entente. Voilà, il y a l'entente. Et puis, quand tu dis les Ivoiriens, ils sont dotés d'un génie créatif. C'est des gens qui sont à l'école, qui peuvent fabriquer tout ce que quelqu'un peut fabriquer sur la terre. On n'a même pas besoin de faire école de guerre ou bien école de matière. Celui qui a fabriqué Kalachnikov, M. Kalachnikov, ce n'était pas un militaire, pas. Il est rentré en laboratoire, il a fait. En Côte d'Ivoire, nous pouvons tout. Mais pour être indépendant, il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on soit. C'est quoi vous appelez indépendance? C'est ça que je veux savoir. Même une indépendance économique. Une indépendance économique ou bien une indépendance. Avez-vous les ressources humaines, intellectuelles pour pouvoir être indépendant économiquement? On a toutes les ressources. Vous savez fabriquer un billet, vous? Comment? Vous savez fabriquer un billet? Moi, je ne sais pas fabriquer un billet, mais il y a peut-être quelqu'un qui sait fabriquer le ah, billet. Ah, ok. Mais le billet que le monsieur va fabriquer, est-ce que nous, les Ivoiriens, on sera solidaires de lui? Est-ce que nous, les Ivoiriens, quand quelqu'un va fabriquer, on ne va pas dire non, c'est le gouvernement de. Parce que c'est ça aussi. Que c'est le gouvernement de Ouattara qui est venu, qui a fait ça. Donc nous, on n'a pas besoin de ça. Que c'est le gouvernement de Gbagbo qui a fait. Sinon, les Ivoiriens sont dotés d'un talent pas possible. Hein. Va à l'université, va à l'UFR de physique chimie, mais tu vas te rendre compte que les Ivoiriens, les jeunes étudiants ivoiriens, mais ils sont dotés d'un talent pas possible. S'ils sont dotés d'un talent, c'est sur le terrain, on ne voit rien. Et vous nous dites qu'ils sont dotés de talent. Avez-vous des grands scientifiques en Côte d'Ivoire? Et si oui, qu'est-ce qu'ils ont déjà inventé? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fabriqué qui bénéficie? Qui était à fabriquer la Nuvaquine. Qui? Tu comprends? Et il y en a plein comme ça, peut-être on ne connaît pas, mais qui ont fabriqué. Fabriqué quoi? Comment? On vous écoute. Oui, donc je dis le ministre Lorouillon Guédé, l'un des initiateurs, jusqu'à il a encore sur le campus. Il a ses arbres là-bas, il a tout et tout, il a fabriqué la divaquine, la chimie ou des choses comme ça. Donc, les étudiants, les universitaires fabriquent. Mais pour être indépendant, il faut consommer ce que toi-même tu fabriques. Il faut qu'il y ait la solidarité, l'entente entre les enfants de cette même population. Tu comprends? Donc, s'il n'y a pas l'entente, quel que soit le combat qu'on va mener, si Ouattara va mener un combat pour qu'on soit indépendant, si la population n'est pas derrière lui, mais il va toujours échouer, quel que soit celui qui va. Sinon, pour être. Donc, pour vous, la fabrication du seul comprimé Nuvaquine est égale à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, ah, comme vous dites, les Ivoiriens sont dotés d'un talent vraiment inouï, d'un talent extraordinaire, et que tout ce que on peut trouver chez les autres, nous on a ça, mais on ne voit pas, on ne voit rien sur le terrain. On ne voit rien. D'abord, il faut, ce que je dis, la volonté politique et la volonté, et nous-mêmes les consommateurs. Ah, donc, c'est la politique qui empêche. Or, en Occident, on voit des gens qui inventent d'abord. C'est quand le travail est bien fait qu'ils demandent maintenant l'aide du gouvernement. Mais tu n'as rien fait, on n'a rien vu, et tu veux qu'on te donne des milliards pour créer. Il faut créer d'abord pour qu'on voie. Ici, c'est lorsque tu inventes, on voit que le travail est bien fait et tu demandes de l'aide. Mais on ne voit rien, rien en Côte d'Ivoire et tu dis ils sont forts. Je prends un exemple terre à terre. Oui. Je prends un exemple terre à terre. Quand, par exemple, celui qui fabrique le bogolan, ou bien le baoulé fabrique le pain baoulé, ou bien le yakouba fait le pain baoulé, est-ce que tu peux prendre pour t'habiller? Tu t'en vas payer Pierre Cardin en Europe, tu t'en vas payer Gucci en Europe?
Tu comprends? Est-ce que toi-même tu consommes, tu es prêt à consommer ce que tes frères fabriquent? Les pains baoulés sont valorisés en Côte d'Ivoire. Ne dites pas ce genre de choses. Mais M. Guégué, ou bien tu dis que toi tu dis son contraire en même temps ou bien quoi? Non, je dis les pains baoulés sont valorisés en Côte d'Ivoire. Donc on ne dit pas. Donc c'est ce qu'on est en train de dire. Tu dis non de citer quelque chose. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit les gens fabriquent. Je ne parle pas, donc on s'épargne. On parle des choses, on parle de la médecine, on parle de trucs, et vous nous parlez d'épargne, baoulé. Oh, mais je dis toi-même, c'est pas la peine, quoi. Mais c'est pas la peine, comment? Vous voulez qu'elle est indépendante? Est-ce que c'est indépendant de paille on cherche en Côte d'Ivoire? On veut une indépendance où l'Ivoirien, il va plus dépendre hein, de l'Européen. Alors, donc pour ne plus que l'Ivoirien ne dépend de l'Européen, il faudrait que nous-mêmes on produise les choses au suppied. Et vous ne dites pas une baoulée. Tu as parlé de public de café, mais il y a, c'est un domaine qui est large. On ne peut pas, je ne peux pas me dire. Ok, on vous écoute. De café et de cacao, est-ce que quand tu te lèves le matin, toi, tu dis la même là, quand tu donnes une tasse de café là, tu te fiches. On connaît les gens, c'est quartier, pourquoi dire qu'on soit là qui consomment le café et le cacao ivoirien? Parce qu'on n'est pas prêt, tant que nous-mêmes, on n'est pas prêt pour consommer. C'est-à-dire, le gars, il a mangé son riz couché, puis son dos couché, ça suffit pour lui. Mais est-ce que nous-mêmes, on est prêt à consommer ce que nous-mêmes, on fabrique? Tant qu'on ne va pas consommer. Est-ce que monsieur a déjà fabriqué et les gens ont refusé de consommer? Toi-même qui parles là, mais tu as déjà fabriqué quoi? Je vous demande, est-ce que vous avez déjà fabriqué et les Ivoiriens ont refusé de consommer? Et il y a des fabricants. Est-ce qu'en France, là-bas, tout le monde fabrique voiture? On vous écoute. Non, il y a des fabricants et il y a des consommateurs. Tu comprends? Oui. Des fabricants et des consommateurs. Va à la CIFARM, va à Angry, à Toban. La CIFARM qui est là-bas, les comprimés, là, viennent d'où? Ça ne vient pas de l'Europe. C'est en Côte d'Ivoire que les comprimés sont fabriqués. Ah, donc, les comprimés étaient fabriqués en Côte d'Ivoire et il y avait un embargo médical et les gens mouraient, il n'y avait pas de médicaments. Regarde, monsieur Guigui, où il m'amène. Non, mais vous dites que les médicaments sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand les Européens écrivent, mais il ne faut plus de médicaments, va partir, on meurt parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et vous nous dites que les Ivoiriens, ils savent fabriquer médicaments. Ah! Mais tu me dis, je suis en train d'expliquer, tu m'amènes sur un autre terrain. Non, mais ce n'est pas un autre terrain. Vous venez de nous dire que les médicaments sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Sachant bel et bien que hier, on nous avait mis. Ok. Là, à Toban, il y a une pharmaceutique qu'on appelle CIFARM qui fabrique des comprimés. Et c'est des Ivoiriens qui sont là-bas. Et c'est quel genre de comprimés? Il ne s'agit pas de dire comprimés. C'est quel genre de comprimés? Regarde-moi ça. Regarde, monsieur Guigui. Mais non, mais il ne s'agit pas de dire. Moi, je peux dire, bon, en Côte d'Ivoire, on fabrique des voitures. Et si je ne suis pas en mesure de vous dire la marque de la voiture fabriquée par les Ivoiriens, mais je ne fais que tergiverser. Parce que vous nous dites, il y a des comprimés qui sont fabriqués. Quel genre de comprimés? Et vous nous dites, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il ne s'agit pas de dire, regardez-moi ça. Il s'agit de dire le nom du comprimé. Il y a des antalgiques, il y a des antibiotiques, et tout ce que la CIFARM fabrique. La GOMSI est le distributeur, mais la CIFARM fabrique des comprimés. C'est ce que je te dis. Ah, on vous écoute. C'est toute chose à un début. En France, là, ils n'ont pas commencé en tombant sur Renault. Peugeot 407, ou bien ils ont commencé sur Renault 4. Tu comprends, pour être indépendant, il faut commencer petit. Il faut que la population consomme. Il faut qu'on soit solidaire. Il faut que nous-mêmes, on s'attrape. Il faut qu'on se dise, oui, celui-là a fabriqué. Pourquoi on soit indépendant? Consommons ce que notre frère a fabriqué. Et on va aller de l'avant. Tu comprends? C'est ce que je veux. Je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que oui, il faut aller de rien jusqu'à haut de gamme. Non. Je dis. Les Ivoiriens, ils fabriquent. Mais nous-mêmes, la politique nous a tellement divisé que même si on veut être indépendant, ça sera difficile parce que on va dire non, c'est Ouattara qui a fait, nous on n'est pas dedans. Ce qu'il a fait, on n'est pas dedans. Et quand c'est comme ça, je te dis les États-Unis, pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui, les États-Unis, c'était 8 États. C'était la New England en haut là-bas. Et ils ont conquis. Jusqu'à la Louisiane même qui était appartenant à la France, ils ont laissé à la France parce que ils ont chassé les Indiens et les Sud-Américains de leur terre. Ils se sont entendus. Tu comprends? Ils ne sont pas allés dans la division au développement. On vous remercie. Pour être indépendant, c'est dans l'union qu'on va à l'indépendance. Tu comprends? Tant qu'on est désunis, on n'ira jamais au développement, ni à l'autosuffisance ou bien ni à choses. C'est ce que je suis en train de te dire. On vous remercie. Maintenant,
Non, maintenant, pour ce deux mots. Vous pouvez rappeler, nous sommes déjà à 9 minutes. Oui, mais c'est toi, tu vois. Bon, ok, d'accord, merci, monsieur. Je vais vous rappeler tout à l'heure, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, ok. Merci. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais rebondir sur un point, deux points, s'il vous plaît. Oui. Sur le problème de l'indépendance, ok? Mmh. Quand vous prenez l'exemple de l'Europe, on fabrique et puis on suit. Mmh. Vous savez qu'en Europe, les universités sont dotées de beaucoup de fonds quant à la recherche scientifique. Donc, ce qui permet aux gens de faire des recherches en vue d'inventer et donc de faire prospérer la société. Oui. Ce qui n'est pas valable en Afrique. Les universités n'ont pas de budget de recherche. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tête. Il y a des têtes qui sont capables d'inventer. Mais vous savez, il faut des moyens pour approfondir des études, pousser pour que ces chercheurs puissent mettre en œuvre des inventions. Comme ça, la plupart de toutes les grandes universités, il y a un budget doté pour la recherche. Ce qui fait que ils sont constamment en train d'inventer. Ceux qui sont là assis en train de faire de la recherche, il faut payer. Ça coûte cher. Et souvent, pour pouvoir trouver un produit, créer un produit, inventer un produit, ça met des années. Ils ne désespèrent pas parce qu'il y a un budget pour ça. Maintenant, pour qu'on soit indépendant, oui, cela passe par une politique. Il faut une volonté politique de l'État. Alors, nous avons aujourd'hui les matières premières. Oui. On a des ressources, comment j'appelle ça, minières et autres. Oui. Il faut tout simplement créer des industries qui sont adaptées par rapport à valoriser nos matières premières pour qu'on en soit les premiers consommateurs et ensuite en vue de l'exportation. Arrêtez d'envoyer l'uranium. Arrêtez d'envoyer la plupart de nos matières premières en Europe. C'est toute l'électricité en France qui ne fonctionnera pas. Alors, nous savons ça. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de politique dite d'assimilation. Toujours assujettie au colonial, à la métropole, donc au pays colonisateur. Ce qui fait qu'on ne veut pas se défaire de ce carcan historique qui nous lie. Mais bien sûr qu'il y aura une génération qui mettra fin. Il y en a qui ont tenté, tels comme les Thomas Sankara, et même avec Bagbo, qui a prôné l'ivoirisation, donc le panafricanisme à outrance, de sorte de faire en sorte que nous appuyons sur nos propres réalités pour nous développer. On l'a vu avec le budget sécurisé. L'État de Côte d'Ivoire ne recevait rien de l'extérieur. Mais pourtant, il a pu supporter le pays pendant des années. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a cette possibilité. Aujourd'hui, nous voyons le pays qui est en train de prendre des dettes, de se surendetter, au point qu'aujourd'hui, notre dette représente 42% de notre PIB. Alors qu'avec le programme de PPTE, où on fait une économie de 500 milliards par an, avec aujourd'hui tous les leviers économiques et donc la dynamique des investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de ce surendettement en réalité. Parce qu'on fait déjà sur notre budget 500 milliards par an depuis 2010. Qu'on a été éligible après le travail fait justement par le gouvernement pour Boumboabré. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand on revient sur Soro, quand on prétend que Soro est un rebelle, Soro doit être arrêté, mais pardonnez, Soro, il faut distinguer le personnage en tant que président de l'Assemblée nationale et le personnage en tant que militant au RHDP. D'accord? Donc, pour le premier cas,
en ce qui concerne pour la présidente de l'Assemblée, mais il ne peut pas être radié. La Constitution est très claire. C'est même là la séparation même des pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il fait partie, il est partie prenante d'un de ses pouvoirs. Il peut être destitué, n'est-ce pas? Il ne peut pas être destitué non plus. Et pourquoi? Il ne peut pas. La Constitution lui confère un mandat de 5 ans, sauf s'il démissionne. C'est la seule chose qu'il peut faire. Lui-même, il démissionne. Mais dit qu'il va être destitué par qui? Par qui va-t-il être destitué aujourd'hui? Par la frange du RHDP? Ce n'est pas possible. Par les députés eux-mêmes? Sur quel motif? Sur quel motif? Parce qu'il ne mérite pas le poste. Il ne fait pas son travail. Il ne mérite pas. Non, mais attention, on ne peut. Il fait son travail. On peut pas reposer, il ne propose rien. Donc, les députés peuvent dire on ne veut plus Soro comme notre président. Non, on veut voilà, sa démission. Dans un état de droit, on ne peut pas se lever pour dire on ne veut plus. Mais attention, ça devient de la cacophonie. Ce n'est pas de la cacophonie. Il n'est pas à la hauteur et il ne mérite pas ce poste. D'ailleurs, il cherche à faire un stage. Donc, ça sera. Arrêtons d'être émotifs. Ça sera très bien pour qu'on l'accompagne à faire son stage. Quelque part, c'est très bien. Non, s'il vous plaît, arrêtons avec l'émotion, restons dans la raison. La raison nous dit quoi? La Constitution lui confère un mandat de 5 ans. Sauf s'il démissionne lui-même. À partir de cet instant, il peut quitter. Est-ce que le député ne peut pas le destituer? C'est une question que j'ai posée. Mais il ne mérite pas au motif de quoi? Mais il aura un motif. Aujourd'hui, grâce à Soros, sais-tu que les États-Unis, par sa démarche au niveau de ses voyages, a octroyé près de 30 millions de dollars de prêts à l'Assemblée pour que cette Assemblée soit réhabilitée? Aujourd'hui, il est en train de se battre pour que cette Assemblée soit numérisée. Que les députés aient Pardon? Non, on vous écoute. Je n'ai rien dit. Vous avez... Non, mais attendez. Aujourd'hui, il est en train donc de numériser, de tenter de numériser, comment j'appelle ça, l'Assemblée. Donc, de moderniser l'Assemblée. Mais on ne peut pas aujourd'hui se targuer de dire qu'il ne mérite pas, simplement parce que il y a des un conflit au sein du RHDP. Ça, c'est au sein du parti. Alors que le RHDP vienne nous dire carrément que Soro n'est plus méritant, ils ne veulent plus. Même là encore, ils ne peuvent pas. L'exécutif au niveau du législatif, c'est qui est anormal, c'est antidémocratique. Il ne peut pas être destitué. Il ne peut pas être. Allô? Lui-même de démissionner. Quand on va donc dans l'historique des faits, aujourd'hui, c'est facile de faire des raccourcis, mais remontons en 2010. En ce moment, quand Soro était chef rebelle, pourquoi les gens sont allés s'asseoir avec lui à Ouagadougou pour signer l'accord de Ouagadougou? Pourquoi les gens ont accepté pendant qu'il était rebelle d'aller aux élections? Pourquoi les gens ont fait de lui premier ministre? Pourquoi les gens ont fait de lui ministre de la Défense, premier ministre, etc. Et aujourd'hui, président de l'Assemblée. Est-ce à dire que ces personnes qui se sont assises à la même table qu'un rebelle ont cautionné la rébellion? Est-ce à dire qu'ils ont légitimé d'une façon implicite cette rébellion-là? Aujourd'hui, c'est trop facile de le pointer du doigt après que les choses se soient mises en ordre et que le pays est gouverné, on parle de stabilité et autres. Mais il a fallu écoutez, qu'il y ait cette rébellion. Écoutez, mais pourquoi en ce moment, quand vous dites... Nous ne sommes pas sur ce débat. Qui sera fréquenté, qui n'a pas fréquenté, mais nous disons que c'est une personne dangereuse et on devrait. Mais c'est aujourd'hui que vous pensez qu'il est dangereux. C'est aujourd'hui. Pourquoi en 2010 vous ne l'avez pas trouvé dangereux? Vous savez, quand une maladie commence, au début on pense que ce n'est pas grave, mais avec le temps on découvre que la maladie est grave. Donc il y a une urgence pour aller voir un médecin ou bien généraliste pour trouver une solution. Donc, sur son cas, c'était un microbe. Les gens n'ont pas prêté attention à ce microbe. Et avec le temps, nous constatons que le microbe devient gros de jour en jour. Et il commet des actes négatifs. Alors,
il y a une urgence pour pouvoir prendre des décisions et neutraliser ce microbe immédiatement. Mais voilà pourquoi nous proposons des solutions pour que ce microbe puisse être affaibli, nettoyé et dégagé. C'est très important, n'est-ce pas? Donc le président de l'Assemblée nationale est un microbe. Exactement. Il ne représente plus les Ivoiriens, ce monsieur. Il combat les Ivoiriens. Ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire. Il combat les Ivoiriens. Il combat les Ivoiriens. Il n'est plus pour les Ivoiriens. Il est contre les Ivoiriens. Donc c'est aujourd'hui tu comprends qu'il est contre les Ivoiriens. Oui, mais on doit le chasser. Il doit être démis de ses fonctions. Il a été élu, non? Est-ce que c'est le peuple qui l'a voté en tant que président de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le peuple ivoirien qui l'a mis là-bas? Faut lire la constitution. Je vous demande si c'est le peuple ivoirien qui a voté Soro en tant que président de l'Assemblée nationale ou bien ce sont ses collègues députés qui l'ont élu. Comme président de l'Assemblée nationale. S'il a été élu par ses collègues députés, alors ces mêmes collègues députés ont le plein pouvoir de le destituer. Ce n'est pas un débat. Oui, mais... Voilà. Non, mais attendez, ils ont le plein pouvoir de le destituer. Sur quel motif? Mais il y a plusieurs motifs. Il y a une justice qui est derrière lui, la justice internationale, la justice burkinabé. Et donc, on ne peut pas conserver un criminel, un microbe poursuivi par plusieurs juridictions, plusieurs justices internationales et le conserver, représenter les Ivoiriens. Ça, ce n'est pas bien. Je ne peux pas dire que vous êtes contradictoire. C'est ces mêmes députés, sachant bien qu'il y avait cette justice derrière lui, qui l'ont élu. Donc aujourd'hui, Non. Cette justice s'était un peu calmée, mais cette affaire vient de se réveiller. Donc, non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Est-ce que trouvez-vous normal? Trouvez-vous normal qu'un bandit notoire puisse représenter les Ivoiriens au Parlement, représenter le peuple? Vous trouvez cela normal? Tant que les députés l'ont élu. Est-ce que vous trouvez normal de vous à moi, trouvez-vous normal qu'un assassin, un bandit notoire, un gros microbe puisse représenter le peuple ivoirien à l'Assemblée? Mais non, ce monsieur, il ne mérite même pas cette place. Nous vous remercions, monsieur, pour votre brillante intervention. Vous remerciez. Vous êtes complètement incohérent. Parce que vous dites d'une part qu'il a été élu par ses pairs. Et vous dites encore qu'il est bandit. Donc, ses pairs ont élu un bandit. Ça n'a aucun sens. Il a été élu par les députés et non le peuple. Même si le peuple a son tour a élu les députés, mais nous, le peuple, nous ne voulons pas. Nous contestons. Hein? La place de Soro, on ne veut pas voir Soro là-bas. Donc, c'est nous, le peuple, qui demandons à ces députés qui ont nommé Soro là-bas de l'enlever immédiatement. Donc, nous sommes la preuve. Le peuple ne veut pas de Soro en tant que président au sein de l'Assemblée. Est-ce que ça, ce n'est pas un argument? C'est un argument. Donc, en voyant... On n'a jamais vu dans aucun pays où le peuple s'en va dans une assemblée pour destituer le président de cette assemblée. Mais c'est le peuple. Est-ce que les députés ne représentent pas le peuple? Justement de ce peuple. Alors, donc, si le peuple n'est pas d'accord avec l'un des députés, le peuple peut demander sa destitution. Est-ce que dans ça, là, il y a histoire de trucs, il y a histoire de sorcellerie? Soyez cohérents, s'il vous plaît. Mais nous sommes cohérents. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Écoutez, en France, les pouvoirs sont séparés, non, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'en France, les pouvoirs ne sont pas séparés? Non, je demande, est-ce qu'en France, les pouvoirs ne sont pas séparés? Mais si c'est séparé... Est-ce que le président n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée? Le président a le droit de dissoudre l'Assemblée. Alors, et pourquoi? Parce que nous fonctionnons... Non, je viens, nous fonctionnons sur les règles françaises. Donc, en Côte d'Ivoire, le président a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale ivoirienne. Donc, non, ce n'est pas un autre débat. De la manière les maires de Côte d'Ivoire sont élus par le peuple, ces mêmes maires-là, le président de la République, ont bien leur parti politique qu'ils appartiennent, peuvent les destituer. Donc, dissous l'Assemblée en son temps, il est rentré en cohabitation, il y a eu les élections tout de suite. Si on dissout l'Assemblée, on va aux élections. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on dissout l'Assemblée, oui, même si c'est pour aller aux élections, à cause de Soro, on ira aux élections. On ira. D'accord, donc ils dissolvent l'Assemblée.
Oui, on ira aux élections. Ce que vous dites, c'est de la cacophonie. Ce n'est pas de la cacophonie, mais on ne veut plus. On veut que ce dernier soit arrêté. Il n'y a pas de souci. Lis la constitution de ton pays. Lis la constitution de ton pays. Nous vous remercions. C'est important. On vous remercie. Voilà, il faut lire la constitution de ton pays. Merci infiniment. Je n'ai pas besoin de faire une lecture pour savoir ce qui doit se passer ou bien ce qui est faisable. Je sais. Non, mais écoutez, la logique est que non, il ne s'agit pas de je ne maîtrise pas. Soro doit être dissous par ses collègues députés. Est-ce que ça, c'est encore... Qui a élu Soro? Je vous demande, qui a élu Soro? Non. Il ne s'agit pas de motif ou pas. Qui? Non, je viens. Le peuple a élu le président de la République. Ce même peuple peut demander le départ du président de la République sans que ce dernier ne termine son mandat. L'Assemblée nationale, les autres députés ont élu le président de l'Assemblée nationale. Ces mêmes députés peuvent dégager le président de l'Assemblée nationale. Si ces derniers trouvent que ce dernier n'est pas à la hauteur et qu'il ne fait pas leur affaire, ou bien il a commis un crime, ou il a commis un geste néfaste, alors ces derniers peuvent trouver ça comme un motif et demander sa démission. Est-ce que pour cela, on a besoin d'organiser une élection à nouveau? Non. Il aurait fallu ne pas le proposer comme président de l'Assemblée dans ce cas. On ne le présente pas comme président de l'Assemblée. Écoute, savez, quand il était président, c'est là qu'il a commis ses crimes. Comme président. Mais soyez cohérent. Non, il a commis ses crimes pendant qu'il était président. Donc après plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs mois, nous trouvons qu'il ne peut plus représenter le peuple. Et il n'est pas bien de représenter les autres députés qui, eux, ils sont le visage, ils sont les porte-parole du peuple. Donc, le peuple est mécontent de voir ces députés être dirigés par Soro. Donc, nous demandons aux autres députés de destituer Soro. Est-ce que dans ça, on a besoin de sorcellerie? On ne peut pas le destituer comme ça. On peut le destituer. Les députés peuvent demander sa démission. Est-ce que dans ça, il y a... Non. On a vu Simone Gbagbo. Hein? Elle était députée, on l'a vu. Où elle s'est retrouvée? Laissez-nous. En Côte d'Ivoire, on peut le destituer. Laissez ça. Le président de l'Assemblée, une fois élu, il a un mandat de 5 ans. Les députés ne peuvent pas... Cela ne veut rien dire. Est-ce que c'est parce que vous êtes élu et que vous avez un mandat de 5 ans qu'on ne peut pas, on ne peut pas rompre votre contrat signé, que vous avez signé entre vous et le peuple? Écoutez, il y a des présidents, on a vu Blaise Compaoré, il a été élu pour 5 ans, il n'a pas terminé son mandat, aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de coup d'état, c'est le peuple qui s'est révolté. Vous parlez de coup d'état, c'est le peuple burkinabé qui a dit Blaise Compaoré, on ne veut plus que votre mandat continue. Pour vous, vous pensez que être président, c'est être Dieu, c'est des gens qui t'ont mis. Tu n'es pas quitté au ciel pour devenir président. Ceux qui t'ont mis là, ils sont capables de t'enlever. Donc, si vous pensez que Soro est président de l'Assemblée nationale et qu'il est Dieu, et que là, il ne peut pas quitter, vous mentez. Monsieur, vous dites des contre-vérités parce que ceux qui l'ont mis, ils sont capables de l'enlever. Il n'est pas quitté au ciel pour devenir président de l'Assemblée. Ce sont des gens qui l'ont voté. Et ces gens qui l'ont voté, ils sont capables de l'enlever. Donc, ne pensez pas que c'est un Dieu qui est quitté au ciel pour devenir président. Non. Faites très attention et lisez bien les textes et vous allez comprendre. Ce que tu dis, c'est du n'importe quoi. On vous remercie, frère. Allô? Ouais, allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, on est en direct, là? Oui, nous sommes en direct. Ah, vraiment, merci encore le vieux père. Bon, je vais vous dire encore merci, bon rétablissement, et puis bonne rentrée. Merci, infiniment. Vos derniers sujets, là, c'était des sujets très, très, très puissants. C'était des sujets très dangereux. Bon, à propos du cas Soro Guillaume, je vais être très bref. Je vais faire une phrase, mais par rapport à l'autre cas d'esclavage, là, je vais parler dessus un peu plus longtemps. Donc, par rapport à Soro Guillaume, moi, ce que je peux vous dire, ce que je pensais de mon analyse, c'est que Alassane Ouattara va nous faire avaler la pilule de Soro Guillaume en 2020. Ça, c'est mon analyse. En 2020, le RHDP, le candidat du
RHDP sera Soro Guillaume. Mmh. Parce que Alassane Ouattara est condamné avec Soro Guillaume. Ils sont condamnés à être ensemble. Mmh. Donc ça, c'est mon analyse. Mmh. Maintenant, à propos de l'esclavage et puis de l'indépendance. Mmh. Aujourd'hui, 10 décembre 1998, mmh. on se rappelle le 10 décembre 1948, mmh. on a fait la déclaration des droits de l'homme à Paris. Mmh. On se rappelle bien de ça. Après leur guerre mondiale ou bien quoi et quoi là, mmh. ils ont fait leur déclaration des droits de l'homme. À cette époque-là, si on suit bien les récits, on se rendait compte qu'il y avait deux blocs. Mmh. Il y avait le bloc soviétique, mmh. communiste là, et puis le bloc capitaliste. Mmh. Et à l'époque, les Africains, eux, ils voulaient l'indépendance. Mmh. Mais les pays comme la France n'ont pas voulu accepter de donner l'indépendance. Et pourquoi? Parce que ce sont des pays qui dépendent surtout du fruit de l'esclavage. Mmh. Vous parlez de connaissance de tout et tout là, mais si aujourd'hui la médecine, la chirurgie est développée là, il y a un seul nom qu'il faut oublier, c'est Adolf Hitler. Mmh. C'est à cause de Hitler, de toutes les expériences qu'il a faites sur les juifs là, de ces génocides, de ces meurtres qu'il a documenté, qu'aujourd'hui la médecine est développée. Mmh. C'est ça, parce qu'il a fait des expériences sur les hommes. Mmh. C'est ça le problème. Maintenant, vous parlez de connaissance. Que nous, les Africains, on n'a pas de connaissance. Mais mmh. si les pays qui étaient comme la France, ils ont quitté chez eux là-bas, où c'est joli, c'est beau là, pour venir chez nous là-bas pour nous coloniser, pour prendre nos terres là, mmh. qui vient nous coloniser là? C'est pas une affaire de venir nous partager la connaissance, hein? C'est pas du tout. Quand tu as un esclave là, tu le gardes dans l'ignorance. Mmh. Eux, ils nous font croire que nous, les Africains, on ne peut pas s'en sortir nous-mêmes. Mais c'est archi faux. Là, mmh. moi, je peux vous dire que c'est faux. Nous, là, on peut tout faire. Si on nous remet à l'âge de pierre, on ne nous donne plus rien, on va tous s'en sortir. Mmh. On peut tout faire, mon frère. Moi, vous, je vous dis, ok, les Africains peuvent tout faire. Ils ont déjà fait quoi? Je vous demande. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, voilà, que vous connaissez? Merci. Je vais commencer dans l'esclavage. C'est les Africains qui ont construit l'Europe dans l'esclavage. Non, je dis maintenant, on parle du présent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne parle pas d'esclavage. Vous parlez d'indépendance maintenant et vous êtes encore... Donc, c'est l'esclavage qui va nourrir l'Afrique en ce moment. On parle du présent. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Donc, attendez, vous dites qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes ou bien qu'est-ce qu'on oui, fait pour... qu'est-ce que les Africains font maintenant? Quelles capacités ils ont maintenant, actuellement, où je vous parle là? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils inventent? Qu'est-ce qu'ils créent? Qui est commercialisé partout dans le monde, ou bien même en Afrique. Qu'est-ce que les Africains ont inventé dans ces temps-ci? En l'année 2000, là, ils ont fabriqué quoi? Ils ont créé quoi? Ils ont inventé quoi? Et comme vous dites que les Africains peuvent inventer tout, ils peuvent s'en sortir. Qu'est-ce qu'ils ont déjà inventé maintenant, là, maintenant? Le présent, dans le présent. Bon, vous parlez d'invention, hein, de découvertes scientifiques, tout ça. Moi, par exemple, non, mmh. j'ai un doctorat. J'ai un doctorat en pharmacologie. Est-ce que vous... J'ai fait une découverte en pharmacogénomique. Si vous partez sur la publication mm-hmm. de la Nouvelle-Angleterre, New England Journal de 2006, mm-hmm. vous allez voir mon nom. J'ai fait une découverte, j'ai travaillé sur un médicament, j'ai fait de la recherche. C'est même pas compliqué même. Les maths là, tout ça c'est facile. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'on n'a pas accès à ça. Et votre médicament, comment ça s'appelle? La découverte que vous avez... Comment votre médicament s'appelle? Et on vend ça où? Non. Moi, je n'ai pas fait une découverte. Je n'ai pas découvert un médicament. Ah, ok. J'ai fait une étude sur la pharmacogénomique. Est-ce que vous êtes capable de créer, faire un médicament où vous nous parlez là? Êtes-vous capable? Bien sûr. C'est facile à faire. C'est facile. Avez-vous déjà fabriqué un comprimé? Quel genre de comprimé? Quel comprimé avez-vous déjà fabriqué? On veut savoir, il ne s'agit pas de dire c'est facile et puis dans les faits on ne voit rien. Quel comprimé avez-vous déjà fabriqué ou créé? Ça s'appelle comment le nom du comprimé? Même par exemple pour faire de l'alcool là. Non, on ne parle pas d'alcool. Vous nous avez dit, vous avez une très grande capacité en matière de trucs de la médecine et que c'est facile de fabriquer un médicament. Quel médicament, monsieur Krabbe Nyagbe a déjà fabriqué? Quel médicament? Quel est le nom?
Parce que les Africains, ils aiment bien ça. C'est facile, mais on ne voit rien. Toujours c'est facile, mais on ne voit rien. Or, quand le blanc dit c'est facile, c'est qu'il a déjà créé. Hein? Bon, on parle de bon, moi, dans le pays où je vis là, non. Si tu veux mettre un médicament sur le marché, il te faut au minimum 1 milliard de dollars. Ça fait 500 milliards de francs CFA pour que ça puisse passer la patente, pour que ça rentre sur le marché. Et ça, ça ne garantit pas ça. Mmh. On me dit, quel Africain là, en Afrique là, quel Africain peut risquer. Mais est-ce que vous avez une fois tenté de créer le médicament pour qu'on puisse vous dire non, ça ne peut pas être vendu si vous n'avez pas 500 millions de dollars ou bien. Avez-vous déjà tenté? Non, c'est 1 milliard de dollars. Mais. Krabé, vous savez, les Africains, ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien dire c'est facile, mais en réalité, ils ont la bouche. Toujours ils parlent. Mais ils font rien, ils posent pas les. C'est ça le problème du noir. Mon frère, je te donne un exemple. Le noir, c'est pas la peine. Le chinois qui est là, il a inventé quoi? Qu'est-ce que le chinois a inventé? Le chinois, lui, il a copié. Est-ce que vous qui nous parlez là, vous pouvez copier? Pouvez-vous copier? Je dis même pas au Nigeria. Les gens copient tout. Ils ont tout imité là-bas. Même en Côte d'Ivoire, même. C'est grave, hein, lui. On peut tout copier. Est-ce que vous pouvez copier? Il ne s'agit pas de dire on peut tout copier, c'est facile, mais on ne voit rien. Noir veut indépendance. Il dit tout est facile, mais on ne voit rien, il ne fait jamais rien. Mais justement, mais c'est ça le problème de la colonisation. Parce que ça fait combien d'années que les blancs sont là? Nous vous remercions, monsieur Krabé Yagou. Attendez-moi, je vais. Pardon, mon dernier mot. Oui? Mon dernier mot, c'est que. Il faut toujours garder espoir. Les Africains, non, c'est vrai. Oui. Tout paraît compliqué. La francophonie nous fait croire que tout est compliqué, mais il faut garder espoir. Oui. Parce que rien n'est sorcier. Tout peut se faire. On peut tout fabriquer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que quelqu'un. On est tous même chose. Mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont plus forts. Il y a d'autres qui ont des armes. Il y a d'autres qui ont de l'argent. Ils se servent de ça contre d'autres pour faire du mal à d'autres. Okay. C'est l'argent et les armes qui divisent le monde. Nous vous remercions. On est tous même chose. Et puis, bonne fête des droits de l'homme. Merci à vous. Merci. Africain, on est toujours dans ce genre de discours. On veut notre indépendance. on veut plus de blanc. Même si on nous ramène à l'âge de la pierre, on peut s'en sortir. Il ne s'agit pas de l'âge de la pierre. Il s'agit des années 2000. Qu'est-ce que le noir a fabriqué? Qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a créé? Il va toujours dire non, c'est facile. C'est facile, on peut copier. Qu'est-ce qu'il a déjà copié même? En Côte d'Ivoire, on a copié quoi? Rien. C'est pas la peine, le noir. L'homme noir. Si on dit bouche, il a fini à bouche. Mais si on dit. Pour faire maintenant, c'est un problème. Il ne peut pas faire. Je viens. Laissons histoire de bouche, passons aux choses sérieuses. Hein. Le noir, tout ce que j'ai à dire au noir, cette histoire de bouche, on peut faire, c'est facile, mais quand on nous demande de faire, c'est tout à fait impossible. C'est impossible de faire. Et donc, je demande au noir de laisser ce discours-là. Tu sais faire là, il faut faire, on va voir. Fais, on va voir. Lorsque tu finis de faire, on voit, on dit, ah, il sait faire. Là, on peut parler de il sait faire. Mais tu n'as rien foutu, tu n'as rien fait encore. J'ai ça. Les gens même, je ne sais pas même, doctorat, grand frère même de doctorat, là, ils ont ça dans certaines matières. Mais tu leur demandes de faire, ils ne peuvent même pas faire. Ils regardent, ils vont te regarder comment on fait. Eux-mêmes, ils sont zéro. Ils ont diplôme là, c'est gros comme ça dans leurs mains. Tu leur demandes de faire, ils sont nuls. Il ne s'agit pas d'avoir un diplôme pour qu'on puisse dire tu connais. Il y a des gens même qui n'ont jamais été à l'école. Qui eux, ils créent. Et tu vois, on dit, ah, le petit,
n'a jamais été à l'école, mais il a inventé tant. Là, même ceux-mêmes qui ont des gros diplômes dans leur poche, ils ne peuvent même pas inventer ce que ceux qui n'ont jamais été à l'école, ils inventent. Par exemple, tu les mets là pour dire chacun n'a qu'à créer dans son domaine. Mais le vieux qui a été à l'école, il a gros diplôme, grand frère de doctorat, il a ça. Il ne peut même pas fabriquer une aiguille. Oh, le petit qui est au village, qui n'a jamais fait ses PN, lui, il peut te créer quelque chose. Il peut te créer quelque chose. Donc, laissez l'histoire de dire j'ai doctorat, j'ai licence, j'ai, je ne sais pas, j'ai master, j'ai doc, j'ai bac en plus, plus un million. Laissons ça, passons aux choses sérieuses. Créons. Hein? Au moment où, le jour où on va commencer à créer, on peut parler maintenant d'indépendance. Mais tant qu'on n'est pas capable de créer, que c'est la bouche qui parle seulement là, laissons l'histoire de dire indépendance, indépendance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est tellement clair. Voilà Jon Snow. Il insulte seulement. Oh, lui-même, il est nul, il ne sait même pas fabriquer une aiguille. Voilà des gens qui réclament indépendance. Ils sont nuls, ils ne savent même pas fabriquer une aiguille et ils sont là. Hein? De passage, je salue Madame Zoko Solo qui est en train de nous regarder. Je la salue infiniment. Je salue aussi Monsieur Yakuba Silla. De mon passage, je salue Madame La Lionne. Je la salue de passage. Je salue tous ceux qui sont là. Je les salue et tout. Alors, nous allons mettre fin au direct. On a beaucoup échangé. Il est déjà 01. Je vais prendre un dernier. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dédé. Oui. Voilà, merci. Vraiment, nous saluons votre retour. C'est avec un grand plaisir que vous avions en direct ce soir. Oui. Et saluer aussi tout ton public. Voilà, saluer aussi voilà, et tout le monde, tous ceux qui nous écoutent depuis partout. Et tous ceux qui commentent, quel est Fatih Massa et tout le monde, hein, avec des très très bons coups. Tu as parlé, le premier sujet, l'indépendance, et oui. Je crois que tu as vraiment bien développé, tu as presque tout dit, et c'est bien dit, tu l'as expliqué de façon très simple. Je crois qu'on ne peut pas discuter l'indépendance avec des slogans. Je crois que, comme tu l'as dit, c'est avec des actes sur le terrain. Pour poser des actes aussi, il y a des préalables. Et c'est probable, comme tu l'as si bien dit, l'éducation, elle prend quand même une part importante de ces préalables. Et tu l'as si bien dit. Et en ce qui concerne que nous avions les ressources, mais il ne faut pas les transformer. Quand on est premier producteur, deuxième producteur de cacao et qu'on ne peut même pas fabriquer une plaquette de chocolat, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, voilà, vous conviendrez avec moi qu'il faut vraiment des préalables. Il faut d'abord pouvoir avoir ce transfert, faire ce transfert de technologie, de connaissances, former des gens pour ça et puis, voilà, mettre les moyens à la disposition. C'est faisable, mais ça prend beaucoup de choses. Comme on le dit, comme tu l'as si bien dit, c'est pas vraiment, c'est pas à la bouche et tout ça. Donc, faudrait pas que ces gens-là nous emmènent vraiment avec ces slogans des révolutionnaires. Je ne sais pas, voilà, c'est pas aussi, c'est pas avec des slogans qu'on va transformer. Voilà, ça prend plus que. Donc, je vais pas trop m'étaler, tu l'as si bien développé. Quand on ne sait même pas fabriquer une aiguille et qu'on n'est pas capable de monter des vélos, et voilà, on doit quand même avoir la modestie d'aller doucement. Je crois que tu l'as bien dit, merci. Maintenant, on va passer au deuxième sujet, M. Soro Guillaume. Et j'ai écouté les intervenants. Vous voyez, on avait par le passé parlé un peu de Soro Guillaume. Je crois que quand on est dans un parti politique, cela obéit à des règles. You know, ça veut dire quoi? Que les partis, quand même, il y a des règles de discipline qui sont là, qu'il faut respecter. Et quand on ne respecte pas les règles, quand on bafoue ces règles de ces partis, on doit prendre des sanctions. Et quand on ne se sent pas à l'aise, on doit démissionner. On ne cherche pas un bras de fer. Tout ne doit pas tourner autour de sa personne. You know. Et ça a été toujours la méthode, la pratique de ce monsieur.
C'est pas dit. Il y a quelqu'un qui l'a expliqué. Quand il est venu à la rébellion, c'est la même chose, malheureusement. Il faut prendre la tête. C'est ça. Il faut torpiller les gars, dresser les uns contre les autres, créer un clan, deux clans, et puis s'entretuer. Tout ça, ça a été toujours la méthode de ce monsieur et ça n'a jamais changé. Et c'est dommage. En ce qui concerne la présence de l'Assemblée nationale, je crois que tu as eu un débat échangé houleux avec un monsieur là. Et voilà, c'est vrai que tu l'as si bien dit, effectivement, il est président de l'Assemblée nationale sous les couleurs du RHDP. Voilà, il n'est pas président de l'Assemblée nationale en tant qu'un indépendant. Donc c'est un parti. Il agit d'un parti qui est président de l'Assemblée nationale. Donc ce qui est clair, il n'y a pas de tout passé là. Donc il y a deux possibilités, tu l'as si bien dit, les deux possibilités. On peut dissoudre l'Assemblée nationale, le président comme tu l'as dit, les députés majoritairement, s'ils sont favorables à sa destitution, il n'y a pas de doute, et c'est clair. Et je crois que tu l'as dit, effectivement, les députés peuvent se réunir et puis le destituer. Ça c'est clair. Le motif, ce n'est pas ce monsieur qui va. Le motif, ce n'est pas ici qu'on va discuter les motifs. Les motifs, on parle. Soro Guillaume, quand on cherche les motifs, il y en a, il traîne beaucoup de casseroles, ce monsieur. Et je crois que la patience de monsieur Ouattara a fini par payer. Oui, la patience de Ouattara a fini par payer parce que depuis le début, on a senti que Soro Guillaume jouait la carte de victimisation, de cette victimisation, c'est cette carte qu'il jouait. Et Alassane a compris cela, monsieur Ouattara a compris cela, et les gens l'ont compris, les gens l'ont vu venir depuis très très longtemps, et les gens l'attendaient. Et maintenant, je crois qu'il s'est dévoilé, lui-même. Donc, à partir de cet instant, je crois qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'acharnement contre sa personne. C'est lui-même, de son propre gré, voilà, qui va doucement, sûrement et lentement prendre la porte, il n'y a pas de doute à cela. Donc, je ne vais pas peut-être trop monopoliser la parole, je vais laisser les autres. Mais je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Alors, on va plus prendre de trucs d'appel. Je vais lancer un dernier message à tous les Africains et à toutes les Africaines, particulièrement les Ivoiriens et Ivoiriennes. Alors, vous qui me regardez ce soir, à partir de ce soir, vous qui avez écouté cette vidéo, tous ceux qui s'autoproclament des panafricains, qui crient dans les rues, qui vous demandent de sortir, que c'est dans les rues, les gens ils vont gagner leur liberté, leur indépendance, ne faites plus l'erreur. Sortir pensant que c'est dans les rues, la liberté et l'indépendance de ton pays se trouvent, mon frère, tu vas te faire prendre une balle dans ton crâne ou bien dans ta poitrine. Tu vas mourir cadeau. On obtient l'indépendance totale par la connaissance scientifique, par l'invention et par les savants. Une fois que ces domaines sont bien remplis, l'indépendance vient seule, sans même tirer une petite balle, sans même tirer un coup de canon. Alors, tous ceux qui vont vous demander de sortir, militer pour chasser les envahisseurs, soi-disant étrangers, qui sont dans vos pays, dites-leur non. Les envahisseurs eux-mêmes, ils partiront d'eux-mêmes, si seulement si vous avez la connaissance et que vous produisez ce qu'ils vous vendent. Raison pour laquelle ils sont là-bas, là. Si vous-même, vous faites ça, là, eux-mêmes, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Imaginons l'armée française et tout. Si nous-mêmes on produit des choses électroniques pour brouiller leurs trucs, leurs écoutes téléphoniques qu'ils mettent sur les Ivoiriens, on brouille, on les fatigue dans l'électronique, on les fatigue. Eux-mêmes, ils vont dire, on en a marre. Si on les espionne, tout ce qu'ils ont là-bas dans leur 43e Buma, parce qu'on a des contre-mesures, on les espionne pour voir et tout. On prend des mesures pour, pas peur. Ils vont dire, on part. Parce que s'ils ne partent pas, on va les espionner et prendre leur technologie pour pouvoir s'approprier. Oui,
pour pouvoir acquérir cela, leur technologie. Donc, ils sont obligés de partir pour ne pas que leur technologie tombe dans nos mains. Parce qu'ils vont savoir qu'on les espionne à longueur de journée. On a des contre-mesures pour les espionner. Ils vont dire, ah, Macron, l'air est grave. Les Ivoiriens, vraiment, on ne sait pas quel appareil ils ont, quelle technologie, mais ils nous espionnent, ils volent notre technologie. Il faudrait qu'on enlève nos appareils que nous avons sur nous ici, à me ramener ça en France. Eux-mêmes, ils vont partir sans même tirer un coup de pistolet. Mais sortir, 40 ans, on fait la foule devant 40 ans, mais ils vont nous abattre, on va mourir comme des poussins, comme des insectes. Et on ne va rien gagner en retour, on ne va pas gagner cette indépendance. On ne va rien gagner et on va ramasser nos morts pour aller les enterrer. Si on ne comprend pas cela, on va se faire massacrer à longueur de journée. On n'a pas encore compris. Traite négrière a commencé, esclavage et tout. Les gens, ils sautaient, ils criaient, ils n'ont rien gagné. Les Thomas Sankara sont passés. Les Martin Luther King, les Malcolm X, beaucoup sont passés. Ils n'ont rien compris, ils n'ont pas obtenu cette indépendance parce que leur lutte, c'était dans les rues, crier, mais ils n'ont pas pris le temps pour éduquer le peuple. Et ça a été une erreur. Et ils continuent toujours dans cette erreur. Moi, j'aimerais que tous les panafricains qui sont au programme panafricain, qui sont là, qui amènent les jeunes dans les rues, ils n'ont qu'à changer de combat. Au lieu de demander aux jeunes d'aller dans les rues, ils n'ont qu'à plutôt s'approcher des jeunes pour leur demander d'inventer, de créer, ayez l'esprit de la créativité, inventer des choses. Et une fois ces inventions, les blancs eux-mêmes, ils vont partir. Et même, on ne va pas même les chasser. C'est eux-mêmes qui vont prier bagage pour partir. Ils vont partir. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, c'était mon message. C'était mon message de ce soir. Donc, je vous aime infiniment. C'était l'incontournable, bien compris. Bonne nuit à tout le monde. Et, ouais, bon, les fêtes ne sont pas encore arrivées. On doit souhaiter bonne fête de fin d'année à tout le monde. Mais les jours à venir, c'est là, on va faire ça. Et on vous remercie infiniment. Ciao, ciao, on est ensemble.